Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. De qui aurais-je crainte? Amen. L'Éternel est le soutien de ma vie. Amen. De qui aurais-je peur? Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente et au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Amen. Je cherche ta face, ô Éternel. Amen. Ne me cache point ta face. Amen. Ne repousse pas après avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que tu es digne de louange. Nous sommes heureux, éternel compatissant, Maître béni. Nous sommes dans la joie par avoir encore un jour comme celui-ci. Oh, combien nous nous sentons tellement transportés par lui. Nous sentons vraiment encore plus près de toi. Oh, nos cœurs et nos âmes sont tellement là, s'élevant vers toi avec autant d'allégresse, Seigneur. Nous voulons comprendre pourquoi cela était tellement si bon pour nos frères et sœurs de demeurer ensemble et dans la maison de Dieu tous les jours, Père. Seigneur, accorde-nous encore cette grâce, mon roi, parce que nous te voulons de plus en plus. Ce matin, merci encore, Maître béni, Rédempteur glorieux, toi qui es donateur de tout le excellent, mon sauveur. Merci encore pour ta présence, oh Dieu. Merci encore pour ton peuple rassemblé en cet endroit, Père. Ceux qui sont aussi au loin comme auprès, mon Maître béni, pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, Père. Nous te disons merci parce que tu as saisi encore nos cœurs. Afin de voir tes chanter avec autant de joie, d'allégresse, mon roi, afin de pouvoir nous rejouer dans ta présence, oh Père. Oh, nos cœurs ont besoin de cela, mon Maître béni, Père, d'être libérés, Seigneur, dans ta maison pour pouvoir réellement te rendre honneur et gloire, mais pas te dire encore combien nous t'aimons, Père. Merci encore pour le psaume, mon bénémoine Père Saint. Réalisons combien, Seigneur, nous sommes un peuple privilégié, Père.
va réellement entendre aussi ta voix, Père, tu disant, être conduit, être éclairé, Père. Tu soutiens encore aujourd'hui, Père. Nous te remercions pour tout. Bénis-nous encore, merci encore pour ce que tu fais. Nous ouvrons encore nos cœurs pour toi. Père, nous voulons vraiment que ta vie descende, oh Dieu. Qu'elle prenne vraiment place dans chacun de nous, mon sauveur. Nous voulons plus de nous-mêmes, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Et ça, c'est vraiment la sincérité du cœur, Père. Puisse-tu vraiment nous aider, parce que sans toi, tout ceci est inutile, mon sauveur. Puisse-tu encore donner la grâce, mon Père, afin que la vie dont la Bible parle, nous la voulons, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes rassemblés, c'est pourquoi beaucoup ont quitté leur pays, mon bénémoine, Père, tu puisses en venir dans ces lieux. Et d'autres ne dorment même pas, bénémoine, Père, parce que nous t'attendons, toi, le Seigneur. Oh, béni sois-tu encore ce matin. Avons-y prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Vous pouvez vous asseoir. Nos cœurs sont de plus en plus dans la joie. Amen. Et brûlant de jour en jour, hein, et désirant toujours que nous puissions continuer et nous puissions aller. Et c'est là où on sent que vraiment le Seigneur continue maintenant à prendre le contrôle tout entier. Nous voulons qu'il prenne le contrôle entier de chacun de nous. Parce que comme la Bible le dit, ça a toujours été le désir de notre Seigneur. Et nous, nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Et là où le Seigneur, notre Dieu, a voulu habiter, c'est vraiment dans l'homme. Et l'homme, c'est cela qui nous a aussi accordé aussi de pouvoir saisir ce qu'il veut. Nous le remercions encore ce matin. Ce qui nous a donné encore la force et aussi le souffle de vie, pour que nous puissions être dans sa maison, afin de pouvoir aussi les glorifier. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, Amen. Qui êtes venus de loin comme de près. Nous prions pour que le Seigneur vous bénisse richement, et que surtout que lorsque nous allons partir, que nous allons rentrer avec Christ en nous. Amen. Nous allons rentrer avec réellement la parole de Dieu, qui transforme réellement nos vies. Parce que ce matin, chacun de nous, nous qui sommes rassemblés ici, nous sommes venus parce que nous savons que nous avons le désir de pouvoir un jour le rencontrer. Nous avons le désir un jour aussi d'être à ses pieds parce que nous croyons que le Seigneur est vivant. Nous croyons qu'effectivement qu'il y a de l'autre côté effectivement une vie, de l'autre côté effectivement aussi un royaume effectivement pour lequel nous désirons que le Seigneur notre Dieu nous accorde la grâce d'avoir accès. C'est pourquoi nous sommes appelés aussi à prier ardemment aussi les uns pour les autres. Amen. À prier pour mon frère, à prier pour ma soeur, de manière à ce que lui aussi prenne courage. Et nous sommes là pour pouvoir encourager, Amen. Pour pouvoir décourager, non. Mais encourager chacun de nous, Amen. Afin qu'ensemble nous puissions avancer au pas, au rythme effectivement, à la cadence de Dieu. Amen. Nous voulons ce que le Seigneur veut, que nous puissions tous avancer à la cadence, au rythme. Et je voulais toujours y pouvoir vous le dire aussi, je crois que je l'ai dit ici aussi, et c'est cela que nous devons réellement aussi réaliser, ce que Dieu veut, que nous puissions arriver à cette unité de la foi, et que nous puissions avoir maintenant aussi un même cœur et aussi une même âme, de telle sorte que nous puissions arriver à pouvoir vraiment avancer ensemble de la même manière et surtout aussi en aimant ces dieux avec le même cœur, parce qu'ici c'est le même cœur, nous avons le même sentiment. Amen. Donc, et puis nous avançons au pas de l'esprit, au rythme effectivement de la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur parce qu'hier, j'ai pu recevoir notre sœur ici qui est venue. Ça m'a beaucoup touché le cœur. Je l'ai dit encore ce matin à mes frères pendant que nous étions dans le bureau. Dit, Dieu est vraiment bon, il est tellement merveilleux, notre Dieu. Voyez-vous, notre frère Daouda est venu avec deux sœurs. Je pense qu'il y a la sœur Pascaline et notre sœur. Comment ? Jacqueline. Ok, nous avons donc deux sœurs Jacqueline. Voilà que hier, j'ai reçu dans mon bureau la sœur Pascaline. Et j'étais très heureux de pouvoir la voir. Et on parlait avec elle. Et puis, il me dit, voilà, pasteur, j'avais un problème. C'était en rapport avec le baptême. Et quand j'ai eu à pouvoir entendre la parole. Amen. Et je remercie le Seigneur. Il dit, je veux vraiment recevoir le baptême. Amen. C'est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Amen. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est extraordinaire. Mm. Vraiment, c'est très touchant. Amen. Que Dieu bénisse mon précieux frère Daouda. Amen. Pour ce qu'il fait de l'autre côté. Amen. Qu'il te bénisse richement, mon frère. Amen. Nous t'aimons beaucoup. Hein. Amen. Ah,
Ah oui, ce sont des jeunes, mais ils ont quelque chose de très bien. Et là, je la regardais, j'ai dit, vous avez quitté votre pays là-bas en France. Vraiment. Venir dans un milieu pareil. Alors elle me dit, vous savez, pasteur, quand nous étions à Daouda, c'est à Rochelle. Alors le frère Daouda mettait donc la collection. Et j'ai eu à pouvoir suivre aussi la réunion là-bas quand j'étais. J'ai dit, mon sauveur béni, j'ai dit, je suis vraiment très touché. Alors, je l'ai regardé, j'ai dit, vous avez quitté là-bas et vous êtes venu ici, dans cette distance que vous avez fait. Et puis sans savoir, effectivement, Dieu te connaissait. Amen. C'est extraordinaire de voir la manière. Amen. Et elle me disait, elle me parlait tout doucement et calmement. Je l'observais, je la regardais. Mon cœur était vraiment très touché. J'ai dit, ma soeur, tu dois te réjouir parce que Dieu te connaît. Amen. Parce que si Dieu ne te connaissait pas, vous savez, beaucoup se battent parce qu'ils ont reçu leur baptême catholique de Père, Fils et Saint-Esprit, ici à Croche. Et quand on leur montre les Saintes Écritures, ils ont difficile de lâcher. J'ai dit, toi, tu as entendu? Ton cœur a été touché et tu veux être baptisé. Amen. Prendre ce nom dans les eaux du baptême. Il dit, ce nom, c'est le plus beau. Amen. Vous vous rendez compte que vous allez porter ce nom. Amen. Le nom glorieux. Amen. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres. Amen. Je ne veux pas les titres. Non. Je veux être identifié au nom. Amen. À la personne. Amen. Donc, Dieu voulant, mercredi... la semaine prochaine, nous aurons donc un service de baptême. Pour que le Seigneur notre Dieu accorde la grâce. Et nous allons prier aussi pour notre jeune sœur, effectivement. Enfin, oh, c'est très touchant, frère et sœur, de voir que le Seigneur notre Dieu touche encore le cœur. Et je crois qu'il va encore toucher. Amen. Donc, réellement, les âmes puissent réellement le recevoir. C'est la raison pour laquelle il nous rassemble aussi. Amen. Et nous remercions notre Dieu pour cela et nous. Prions pour qu'il puisse vraiment soutenir notre sœur et qu'il la fortifie aussi. Et ce matin encore, je reçois mon frère ici, Roy, vous le connaissez. Amen. L'histoire de mon frère Roy est une histoire particulière. Amen. Avec sa famille. Amen. Alors, que Dieu le bénisse. Amen. Vous savez, le frère Roy, c'est un précieux frère qui s'est trouvé en Espagne. J'avais été invité en Espagne pour... il allait apporter la parole de Dieu, il est aussi vivant là-bas. Et là, quand j'ai prêché la parole de Dieu, et le Seigneur a vraiment agi aussi d'une manière particulière dans ces jours-là. D'abord, la veille avant que je puisse venir, enfin que je puisse prêcher, je pense que c'est là où j'avais, c'était deux jours, non, je prêchais, et puis le lendemain, il fallait que je dorme. Voilà, je suis arrivé, puis j'ai envoyé, il fallait dormir. Et l'endroit où on m'a donné un lieu pour dormir, c'était donc chez frère Roy, en Espagne. Là, il ne me connaissait pas. Je suis arrivé chez eux à la maison et il avait ses jumeaux, donc sa fille et son fils, et elle-même, sa femme aussi, dans la maison. Ils m'ont reçu et j'ai dormi avec mon interprète en espagnol, en fait, là-bas. C'était le frère Folio. Et là, ils m'ont logé là-bas, j'ai dormi. Et le lendemain matin, on s'est donc réveillé. Et j'ai dit à mon frère, j'ai dit, mais certainement, vous m'avez reçu dans votre maison. Mais vous ne me connaissez pas vraiment. Il dit que le Seigneur vous bénisse beaucoup de la grâce que vous m'avez accordée de pouvoir dormir chez vous et que j'aille donc apporter la parole. Il m'a accompagné jusqu'à le lieu où je devais apporter la parole et on a eu la réunion ce jour-là et c'est le soir que je devais repartir. Après la réunion, c'est à ce moment-là effectivement que le cœur de beaucoup était tellement touché et c'est ainsi que j'ai vu... notre frère ici, Sergio Angel, et avec sa femme et ses enfants, sa femme et son fils aussi, je crois que c'est lui. Et ils se sont donc tenus, ma prochaine dit, frère, nous voulons te parler. J'ai dit, oui, dis en tout cas, touché dans notre cœur, la parole que nous avons entendue, ben, nous avons le désir de pouvoir quand même venir aussi en Belgique. Si vous avez le désir, oui, dit, nous voulons venir avec ma famille pour aussi suivre la parole. Et c'est comme ça que le frère Sergio Rangel est venu.
Sergent Angèle était en contact avec le frère Roy. Le frère Roy, effectivement, quand il est resté là-bas, lorsque Sergent est venu aussi ici, ben, il lui a raconté, le témoignage pendant le temps qu'il était aussi avec nous ici, eh ben, le cœur de Roy, et même comme il m'avait reçu à la maison, a commencé à brûler aussi. C'est comme cela que quand Sergent Angèle était venu, il est resté avec nous à la maison, et puis il a trouvé l'endroit, il est parti donc. Et quand maintenant Roy a eu le désir de venir, il a pris sa femme et ses enfants aussi, il est venu en Belgique. Et vous connaissez comment nous avons vécu avec lui. C'est un précieux frère. Amen. Oui, vraiment, frère Roy est toujours un précieux frère. Et tout son cœur, il a toujours été resté quand même. Et nous l'aimons beaucoup aussi. Et voilà qu'un jour, il me dit, voilà frère, parce que bon, j'avais le désir de trouver aussi un appartement pour pouvoir se loger. Et nous avons prié, et vraiment c'était. Et Dieu a fait quelque chose de bien, tellement qu'on aimait frère Roy. Amen. Et Dieu a fait en sorte que frère Roy trouve un appartement juste à côté. Amen. C'était pas non plus un appartement parce que c'était une maison. Amen. Et les prix qu'il payait, vous allez tomber par terre. Amen. Et alors il me dit, mais frère, j'ai trouvé, je vais te montrer. Et on était là-bas. Je suis rentré dans la maison. Il m'a fait visiter les chambres. J'ai dit, frère Roy, tu sais ce que moi je désirais? C'est que non seulement tu loues, mais que cette maison tu l'achètes. Amen. Et le frère, voilà, je n'ai pas le moyen. C'est ce que j'ai dit, le Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Parce que nous n'aimons pas que tu ailles loin, mais que tu sois toujours là. Amen. Le Seigneur, notre Dieu. Et ce matin, Amen. Et ce matin, Amen. Il vient tout simplement, calmement, avec toute sa famille. C'est toujours comme ça qu'il agit. Amen. Il rassemble toute sa famille, il rentre bien là, et puis il vous regarde effectivement, et puis il commence, frère, je viens vous dire quelque chose. Je dis, oui, je connais, voilà, tu vois, Alors il me dit, mais voici les propriétaires, voilà, mais je dis, ah Seigneur, mon Dieu, tu vas déménager encore, pour aller où? J'ai dit, le Seigneur a prouvé. Nous avons acheté la maison. Amen. De voir comment Dieu est notre Seigneur. C'est pourquoi tout est possible. Alléluia. Nous allons le remercier. Et à vous, notre soeur Pascaline, aussi notre frère, voyez sa famille. Amen. Précieux sauveur. Amen. Ce matin, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons vraiment te dire combien Dieu est bon. Dans la nation, brave notre soeur Pascaline. Déjà, tu as touché le cœur de ta fille. Merci encore pour mon frère, dans ton frère. Tu as utilisé ses frères, mais tu les détestes. Frère, oui, là, aujourd'hui, ta fille est arrivée à se voir et toi aussi. Pour reconnaître aussi la réalité, pour ouvrir son corps, pour pouvoir prendre le monde de la terre. Prions pour elle, mon bénévole, pour ce que tu veux. Sois le seul qui puisse prendre du poids de son âme et de sa vie. Oh Dieu, pour qu'elle marche totalement avec toi, merci. Merci, maman, pour notre précieux frère. Oh, Roy, mon bénévole, pour ça. C'est vrai, il a aussi quitté son pays là-bas, l'Espagne, et il est venu ici. Père, pour la parole de ton bénévole Père, oh Dieu, si approché aujourd'hui, tu l'as honoré pour les personnes. Tu as accordé la grâce de pouvoir aussi avoir du travail, aussi avoir aussi des carreaux sur notre maison dont nous sommes tellement dans la joie, parce que la maison de mon frère, c'est aussi la nôtre, Père. Nous te remercions pour ce toujours, mon bénévole Père Saint. Oh Dieu, tu es le Dieu de ta parole. Tu es le Dieu qui touche encore, qui donne encore le pouvoir et bon pour les besoins de ton peuple, Père. Nous te remercions encore ce matin. Combien nous sommes heureux d'être à toi. Mais nous sommes dans la joie de voir et moi aussi ta main puissante, Père. Oh, beaucoup de nos frères et sœurs ont besoin de voir encore ta main agir, Père, dans leur famille, dans leur vie, mon bénévole Père Tibissant. Nous savons que tu es le Dieu qui échange en moi. Tu es le Dieu qui agit encore. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Nous te remercions encore pour tout. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. C'est comme ça que nous chantons. Nous connaissons Dieu. Alléluia. Il est levé. Alléluia. Mon frère et ma soeur, peu importe le cas dans les temps. Amen. Peu importe la situation. Amen. Que ce soit pour le travail. Amen. C'est vrai qu'il y a le chômage. Vraiment. Mais quand nous prions, c'est Dieu. Amen. Il ouvre les portes. Amen. La première des choses, ce n'est pas le travail que tu veux. C'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Alors il va pouvoir tous nos besoins. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement d'abord le royaume des cieux. Amen. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Nous nous levons pour lire dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Ésaïe.
Isaïe au chapitre 55. Isaïe 55, nous lisons à partir du verset 6. Isaïe 55, verset 6, il dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le dès qu'il est prêt. Amen. Le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité s'éloigne. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. Et à notre Dieu qui ne se lasse pas de moi. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est extraordinaire. Amen. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Sort de ma bouche. Cette parole, elle ne retourne point à moi sans effet, Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Maître béni, nous voulons te dire encore merci. Combien nous sommes touchés, combien nous sommes heureux quand nous pouvons lire ta parole. C'est vrai, c'est une parole de vie, mon roi. Nous rendons gloire à ton nom encore aujourd'hui. Je t'aime, mon Père, je te remercie. Est-ce que je peux voir encore mes frères et sœurs aujourd'hui dans ta maison, à toi, Père, et je prie pour chacun de chacun qui s'en va. Père, parce que tu connais le souci, tu connais le fardeau de chacun, Père, afin que chacun puisse recevoir de ta part la délivrance, aussi la liberté, Père, et que le fardeau soit ôté, mon béni, mes pécheurs. Sortant de cet endroit, il est reçu ce que le cœur désire, Père. Béni sois-tu encore aujourd'hui. Je t'ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons comme l'Écriture nous le fait savoir, et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle que nous pouvons entendre que les Saintes Écritures nous invitent. Et comme cela est aussi clair, cette invitation est encore valable aujourd'hui. Parce qu'il dit, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ben, nous sommes vraiment dans le temps et dans la période, effectivement, qui est vraiment favorable. Et c'est le temps, et comme il dit aussi, mais invoquez-le, parce que tandis qu'il est vraiment prêt. Donc, le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, effectivement, qui, quand on peut regarder aujourd'hui, lorsqu'on se tient comme cela, si on sort à l'extérieur, on lève les yeux vers le haut, on voit le ciel. Et voilà qu'il nous dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de nous. Et quand on peut regarder, c'est très difficile de mesurer en fait la distance entre la terre et les cieux. C'est tellement, même lorsque on voit en fait, si vous voyez, on prend les navettes effectivement pour spatiales, effectivement pour monter, ils vont jusqu'à la lune, mais ils n'ont pas encore atteint les cieux. Parce que vous savez, quand on arrive à la lune, on regarde encore en fait, on voit encore les cieux au-dessus. Ils peuvent aller même sur l'une, ma fenêtre. Et on va dire effectivement que là, sur la lune, on est dans les cieux. En fait, les cieux sont au-dessus. Amen. Donc, remarquez bien, hein, et pour la distance entre la terre et les cieux. Donc, la Bible nous dit que Dieu dit que le ciel est mon trône. Amen. Et que la terre est vraiment mon marchepied. Donc nous, quand on s'observe effectivement, comme on doit se voir, on est vraiment minuscule sur la planète Terre. Voyez-vous, et en plus maintenant, quand vous pouvez voir que lorsque humainement on se tient debout, on regarde effectivement sur la Terre, il y en a des milliards. Et parmi ces milliards-là, toi, tu es du nombre de temps. Amen. Donc, regarde un peu, effectivement, combien Dieu couvert par des milliards. Et puis, tu regardes encore au-dessus, il y a des couches encore, effectivement. Il y a des nuages, il y a encore l'espace, effectivement. Et alors, Dieu dit que lui, il habite dans les cieux. Amen. Et que les ciels sont trop. Et là, nous lisons, il dit, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Où est-ce que je vais les chercher? Et puis, il dit, invoquez-les tandis qu'il est prêt. On peut se dire qu'effectivement, c'est comme si c'était quelque chose de métaphorique, en fait, en réalité. Mais non, mais c'est la parole de Dieu, l'invitation réelle et vraie. Amen.
C'est Dieu qui, quand tu t'élèves et tu regardes le ciel, tu dis, mais c'est pas possible. Et c'est vrai, quand tu vois la distance que se trouvent les cieux, tellement si haut. Et puis il te dit, invoque-moi. Je suis dans le bas, là, sur la terre, effectivement, quand tu peux regarder. C'est des millions, des millions, des milliards de kilomètres, effectivement, entre la terre et les cieux. Et c'est Dieu qui habite là-haut, dans les cieux. Alors il me dit, moi, invoque-moi. Et même il ne va plus dire, il dit, mais invoque-moi dans ta détresse. Amen. Je t'ai délivré et tu me glorifieras. Donc, c'est Dieu veut que tu l'invoques. Il dit, mais parfois la pandémie me dit, mais c'est quand même, mais comment, si moi je lui dis, comment est-ce qu'il va m'entendre puisqu'il est tellement si haut? Il a eu un nom. Alléluia. Dans les Saintes Écritures. Amen. Cet homme était un homme comme vous et moi, ayant aussi la même capacité que vous et moi, marchant comme vous et moi aussi, pensant comme l'homme pense. Un jour, il s'est trouvé dans la détresse aussi. Et là, c'était pendant qu'il y avait le combat. Il a regardé effectivement là, il dit, mais oh là là, l'ennemi est là-bas, et moi je suis ici, il faut que je puisse détruire cet ennemi pour arriver à passer les caps. Il dit, mais si la nuit tombe ici, l'ennemi va se faufiler. Il s'est tenu là, il a regardé le soleil, était à une grande distance. Ça, il savait. Il savait que le soleil était tellement si loin, à des milliards de kilomètres, effectivement, de la terre, effectivement. Lui, petit bout, quelque part. Cet homme, il s'est tenu là. Il a dit, mais Dieu a dit, mais invoquez-moi tandis que je suis prêt. Et il dit, mais c'est Dieu, s'il a parlé, ce que sa parole est vraie. Amen. Il s'est tenu debout, il a dit simplement, il n'a pas pris une grande trompette qui est montée jusqu'au ciel. Non, par sa voix, il dit, mais soleil, alléluia, soleil, arrête-toi. Amen. La Bible dit que le soleil s'arrêta. Amen. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, homme, sur la terre, Dieu dans le ciel, si tu invoques ce Dieu, il entendra. Amen. Et surtout, si tu l'appelles effectivement par son nom, il entendra. Amen. Puisqu'il connaît mon nom, alors c'est sûr et certain. Donc, nous devons être conscients que si Dieu a dit quelque chose dans sa parole, ce que Dieu tient à pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Et là, il continue en disant que les méchants abandonnent sa voie. Ça, c'est vraiment une invitation que Dieu nous donne. Que le méchant abandonne sa voix. S'il dit que le méchant abandonne sa voix, ce que Dieu te donne la possibilité de pouvoir réellement abandonner la voie dans laquelle tu te trouves pour autant que toi, tu le veilles. Parce que si tu le veux vraiment, alors certainement Dieu va te donner la possibilité de pouvoir sortir la position dans laquelle tu te trouves. Ah, vous direz, mais et est-ce que cela aussi est vrai? Vous vous souvenez des Zachée? Amen. Vous vous souvenez des Zachée? Amen. Eh bien, Zachée menait sa vie, il trichait effectivement dans ce qu'il faisait. Mais un jour, il a entendu parler effectivement que cet homme de Galilée passait effectivement et venait dans la province où il était, dans la ville où il était effectivement. Et là, la place où il se trouvait effectivement dans son cœur, il a eu un désir profond de pouvoir rencontrer cet homme-là. Et surtout de pouvoir, ne fût-ce que passer pour pouvoir le voir. Et ses désirs étaient parce qu'il avait dans son âme le désir que quelque chose se passe. Parce que si vous n'êtes pas intéressé par la personne, vous allez quand même parler vers lui. N'est-ce pas vrai? Bon, lui, il est donc, dans son cœur, il était vraiment, il avait un désir, et puis il est monté sur le sycomore pour pouvoir voir. Et c'est pendant que le Seigneur passait sur ce chemin-là, vous vous souvenez, il s'est arrêté donc à ce sycomore-là. Zachée était en haut. Il dit à Zachée, descends. Amen. Et Zachée est descendu. Il dit, mais aujourd'hui, je vais aller dans ta maison. C'est quand il est entré dans la maison des Zachée, il s'est dit, mais j'avais pris, si j'avais pris autant, je suis rentré encore centuple, effectivement. L'homme, maintenant, a eu maintenant réalisé l'importance de recevoir ce qu'il avait comme désir. Quand il a reçu, effectivement, il a abandonné son ancienne vie. En fait. C'est parce qu'il avait les désirs. Et Dieu lui a accordé ça. Pourquoi tu pries? Et l'homme, il a quitté ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui,
à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Nous ne pouvons pas penser à la place de Dieu. Nous devons toujours laisser Dieu penser. Et que Dieu nous fasse connaître effectivement sa pensée. C'est important, mon frère et ma soeur, que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir cesser de pouvoir attribuer à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Ou ce que Dieu n'a pas fait. Amen. Parlez de vous. Amen. Ce que vous pensez. Dites pas que Dieu veut. C'est comme quand on parle du baptême. Je bénis Dieu pour notre soeur. Quand on parle du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême catholique. La première église organisée, c'est bien l'église catholique. Avec effectivement l'empereur Constantin qui a réuni effectivement l'Empire romain. Et qui a rassemblé effectivement plus de 300 évêques, effectivement, ainsi de suite à l'époque. Vous ne connaissez pas encore, vous lirez. Et ça, c'était quand effectivement, mais en 325, c'était au mois de mai, effectivement, du 20 au 25. Donc en 325, au concile de Nicée, effectivement. Nicée, quand on parle de Nicée, c'est la Turquie. Bon. Et bien, voilà. C'est de là que sortit la confession de foi. Et les gens, tout le monde ici, voyez-vous, on a été plongé dans les eaux du baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'a jamais été des dieux. Amen. Jamais dans la pensée de Dieu, du Dieu du ciel, qui s'est fait homme, n'est monté la pensée de dire qu'effectivement, que voilà, il faut qu'on baptise les gens dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous serez choqués. C'est vrai. Oh, on me dira, mais mon frère, qu'est-ce qui est dit effectivement dans le Matthieu chapitre 28, verset 19, effectivement. Ben oui, c'est vrai. Mais si je vous disais que ces versets-là, là, que vous avez lu, effectivement, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est les catholiques qui l'ont mis. Qu'est-ce que vous direz? Eh bien oui, frère et soeur. La preuve d'abord, ce que vous pouvez voir, une chose qui est très importante. Jamais dans les Saintes Écritures. Parce que tout de même, quand nous croyons, nous ne croyons pas à une religion. Nous sommes censés pouvoir croire en Dieu, avoir la foi en notre Seigneur Jésus. La Bible dit que c'est la foi en son nom qui a refermi les pieds de cet homme que vous voyez dans les Jean chapitre 3. Acte 3, pardon. Donc c'est la foi en son nom. Et la Bible dit, quiconque croit en lui, pas dans une église, mais quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et reçoit aussi la vie éternelle. Et il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. À ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Donc, la Bible nous montre ce qu'il a. Donc, il faut, pour être sauvé, il faut croire, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous croyez en lui, mais jamais dans une église. Et les gens ont la foi placée dans une église. La foi dans une église ne fait pas sauver, en fait, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà que c'est là dans les Saintes Écritures, depuis le jour de Pentecôte, il n'y a eu aucune personne, aucun véritable croyant qui a été baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quand est-ce que le baptême trinitaire est entré en action? Eh bien, après les 325 ans. Après le concile de Nicée, évidemment, on a eu à pouvoir baptiser dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, nous devons être conscients de ce que nous cherchons et ce que nous désirons, ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous désirons pour que Dieu, effectivement, fasse quelque chose avec nous. La grâce que l'humanité a aujourd'hui, c'est que Dieu parle encore. Amen. Et Dieu montre à l'homme, effectivement, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors comment pouvez-vous connaître la pensée de Dieu? Alors ce que nous voulons, c'est que
Dieu lui-même puisse nous accorder la grâce de pouvoir nous révéler sa propre pensée. Et nous dire effectivement ce qu'il pense de ceci pour que nous puissions être sûrs et certains que ce que je fais, ce n'est pas ce que le prêtre m'a dit, mais ce que je fais, c'est ce que vraiment Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Comme le baptême, effectivement, dans Acte 2, il dit, Pierre leur dit, vous connaissez l'Écriture, il dit, mais répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me pose la question, frère. C'est quelque part, parfois, on nous entraîne comme ça, comme des gens qui sont des, je ne sais pas, qui ne voient pas tellement très bien, parce que la foi n'est pas une foi faite. Croire en Dieu ne veut pas dire qu'il doit être aveugle. Non. Ça veut dire être sûr de la chose que tu fais. C'est ça la foi en Dieu. Parce que là, on nous dit que l'Église catholique, ça vous lirait partout. Et elle est vraiment l'Église de Christ, effectivement l'Église de Dieu, parce qu'elle est bâtie où c'est, eh ben, sur le tombeau de Pierre. Ce que je vous dis est vrai, vous pouvez le vérifier partout. Donc, le fondement de l'Église, effectivement, catholique, effectivement, le Vatican, là, que vous voyez, effectivement, il est bâti sur le tombeau, là où Pierre a été enterré, sur les eaux de Pierre. Les eaux de la porte. C'est pourquoi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez comme effectivement les symboles, effectivement, comme les armoiries. Les armoiries, effectivement, de l'Église catholique. C'est quoi? Mais ce sont les clés. Qui ne connaît pas ça? Ce sont les clés. Donc on vous montre que l'armoirie de. Hein, comme en Belgique, je ne sais pas, c'est les lions, hein, je crois, avec l'union fait la force. Mais parce que vous devez savoir que le Vatican est aussi un État. Il a aussi des ambassadeurs. Oui, le Vatican, c'est un État. Un État dans un État. Donc, effectivement, les armoiries qui doivent avoir, effectivement, pas sur ces cachets d'armoiries, vous voyez que, effectivement, vous voyez les clés. Donc, c'est les clés que le Seigneur avait dit à Pierre, je te donnerai les clés, donc il a donné à Pierre. Et bien, quand Pierre il est mort, il a passé ça au pape. Mais c'est ce qu'on nous dit quand même. Donc, Pierre, il est enterré à Rome. Et qu'à Rome, effectivement, là où se trouvent les cercueils, les os de Pierre, eh bien, on a bâti l'église. Parce que, pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, sur toi, sur Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église catholique, effectivement, a placé sa fondation sur Pierre. Sur les os de Pierre. Donc, effectivement, vous allez à Rome, on va vous faire descendre des catacombes là-bas en bas, vous montrera là où le cercueil de la grande église Petrus, ici, Rip Petrus, donc ici, le posa Petrus. Donc, c'est là, effectivement, qu'on a eu à pouvoir réellement bâtir, effectivement. Et les clés? Donc, effectivement, ben, les clés. Alors, maintenant, regardez très bien, puisque ils disent que le pape est le successeur de l'apôtre Pierre. Si vous allez voir effectivement à Rome, vous allez voir la grande statue de Pierre, effectivement. Et c'était lui le premier pape, et puis encore successeur des autres papes, effectivement. Donc, tous suivent effectivement ce que Pierre est. Vous connaissez donc, puisqu'ils sont successeurs de Pierre, donc ils ont reçu l'enseignement de Pierre. Or, nous savons que Pierre a dit, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est Pierre qui a dit ça. Amen. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous sommes successeurs de Pierre, nous baptiserons comme Pierre a baptisé. Frères et sœurs, on fait quand même vos yeux, non? Si nous disons que nous sommes successeurs du ministère de Pierre, nous ferons ce que Pierre a fait. Amen. Et en plus, on dit encore que nous avons les clés. Puisque Pierre avait les clés, il est mort, il nous a donc laissé ses clés. Alors, comme ces clés ont ouvert, qu'est-ce que Dieu avait mis à Pierre, effectivement? Il dit, mais je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, vous connaissez les Écritures, non? Ce que tu vas lier sur la terre, je vais aussi les lier dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre, je vais aussi délier cela dans les cieux. Donc Pierre avait vraiment une autorité. Donc ce qu'il allait dire, Dieu allait prendre compte de cela. Et ces jours-là, maintenant, il y avait les jours de Pentecôte, c'est qui était venu à gauche, à droite, ils ont entendu la parole. Ils voulaient maintenant entrer, mais oh, homme, frère, que ferons-nous? Nous voulons aussi entrer. Pierre, maintenant, ouvre. Alléluia. Parce que tu dois ouvrir pour. Parce que ce n'était pas à Jean que tu as dit, Dieu a dit à toi, s'il a dit à toi, je te donnerai les clés du royaume. Quand tu vas ouvrir, moi je prendrai. Ah, je dis, ce que tu vas dire, effectivement, je le ferai. Amen. C'est que tu liras sur la terre, je les lirai dans les cieux.
Ce que tu vas délier sur la terre aussi. Vous connaissez cela, non? Amen. Si les uns n'ont pas lu, prenons Matthieu 16. Je pense que c'est dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16. Je pense que c'est cela. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et Philippe, verset 13, demanda à ses disciples, qui suis-je aux yeux de, des hommes, moi le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le fils de Dieu. Jésus répondant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Vous entendez? Amen. Et que sur cette pierre, donc, vous avez, c'est comme ça chez vous, non? Amen. C'est ça chez vous, non? Amen. Oui, cette pierre, effectivement, je bâtirai mon église. Et que le port du séjour de mort ne pourront point contre elle. Donc, sous ces rocs, vous voyez, n'est-ce pas, non? Donc, je bâtirai mon séjour de mort. Le de mort ne pourront point contre elle. Donc, je te donnerai, verset 9, les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera donc délié dans les cieux. C'est ça ce que Dieu a dit. Donc cet homme avait donc dit, donc c'est une promesse que je te donnerai les clés du royaume. Eh bien, le jour de Pentecôte, nous sommes arrivés, effectivement, Actes au chapitre 2, hein, le jour où le Saint-Esprit est descendu, et l'apôtre Pierre a commencé à pouvoir prêcher, montrer effectivement aux hommes qui étaient Christ, effectivement, ce que Dieu a fait. Alors, verset donc 37 dit, Actes 2, 37, c'est dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Donc ces hommes étaient vraiment dans le désir de pouvoir maintenant entrer et dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que le Seigneur lui avait promis que je te donnerai à toi les clés. Ce que tu vas lier sur la terre, tu vas aussi lier dans les cieux. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Verset 38, il dit, Pierre leur dit, maintenant, il prend la clé pour ouvrir. Amen. Amen. Afin que ceux qui ont les intérêts puissent entendre, mais Pierre leur dit, répondez-vous, parce qu'il dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, n'est-ce pas? Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Donc là, nous regardons, effectivement, nous réalisons que l'apôtre Pierre a eu à pouvoir faire une déclaration qui, depuis ces jours-là, Dieu a noté. Amen. Donc tout homme, effectivement, qui vient à Christ et qui doit être baptisé pour entrer au ciel, ah ben, il doit, puisque le Seigneur avait dit à Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Il n'est pas écrit et ni vu quelque part d'autre dans les Saintes Écritures où la Bible dit, Dieu vient et dit, Pierre, maintenant viens, remets-moi les clés. Non? Depuis que le Seigneur donne les clés à Pierre, il lui a donné. Amen. Il n'y a aucune qui dit, Dieu a repris les clés de la main de Pierre. Non, le Seigneur, je lui ai dit, mais je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Pas les clés de la mort, il l'avait donné à Pierre. Amen. Alors si nous sommes le successeur de Pierre, effectivement, comme l'Église catholique le dit, c'est là que vous devez bien comprendre, parce que vous posez la question, mais pourquoi cet homme ce matin nous parle de cela? Mais c'est comme ça que je pense que c'est une écoute. Regardez bien, vous devez comprendre effectivement pourquoi dans les Saintes Écritures, il est parlé effectivement de la mère des prostituées, en fait. La grande Babylone, effectivement, celui qui a mené effectivement toutes les prostitutions du monde, effectivement. C'est pourquoi on en parle ainsi. Mais c'est parce que c'est là qu'est parti tout le mensonge. Amen. Bien sûr, il n'y a rien de vérité. Et puis Pierre lisait quand même les Saintes Écritures, frères et sœurs. C'est pourquoi à l'époque, effectivement, on interdisait aux gens de lire la Bible, sauf les misères. Bien sûr, pourquoi? Pour les garder dans les ténèbres, effectivement. Or, toi, pour que tu puisses connaître la vérité, il faut que tu aies la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur, je t'ai dit, mais si vous demeurez dans ma parole, Amen. Vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Donc j'ai besoin de connaître que, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit ou pas? Et puis quand Dieu le disait effectivement, et quelle était la pensée de Dieu? Parce que les pensées de Dieu, ce n'est pas mes pensées. Amen. Une parole est une pensée exprimée, vous le savez. Amen. Non, Pierre effectivement a eu à pouvoir prendre cette décision et il a pas dire ce que le Seigneur a eu à pouvoir lui montrer en cela. Voici donc effectivement. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite. Donc,
C'est comme cela que tout le chrétien, tous ceux qui... Parce que la Bible dit que tous ceux qui ont cru, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, tous les croyants, parce que comment ces hommes qui pouvaient croire pouvaient venir à la foi? Mais c'est en écoutant, parce que si vous remarquez très bien que le Seigneur Jésus a prié pour les disciples, effectivement, le 11, parce que Judas était déjà parti, effectivement. Qu'est-ce qu'il a dit pour, en priant, effectivement? D'ailleurs, il dit dans Jean 17, il faut que nous comprenions comment l'évangile a été donc apporté. Donc, Jean 17, il dit une chose, ici, dans sa prière, il dit, je parle sur verset, oui, verset 17, il dit, Jean 17, 17, il dit, priant pour les disciples, il dit, les apôtres, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc c'était en fait les apôtres qui allaient apporter effectivement la bonne nouvelle du royaume, qu'ils ont entendu auprès du Seigneur. Parce que les autres n'étaient pas auprès du Seigneur, mais les apôtres, oui. Il les a enseignés cela pour qu'eux aussi apportent aussi la parole aussi au peuple. Donc c'est par la bouche des apôtres, effectivement, qui étaient des témoins, que les hommes, effectivement, ont entendu. C'est pourquoi même ici, dans Actes chapitre 10, lorsqu'il est entré à la maison de Corneille, Pierre le dit encore, il répète effectivement là, en Actes chapitre 10, nous disons cela. Bon. Donc, ici. Verset 39, acte 10, 39, il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, et Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent des témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc effectivement, que c'est à cela qu'effectivement que le Seigneur les a envoyés pour aller prêcher. Donc par leur bouche, effectivement, le peuple devait entendre la parole. C'est pourquoi acte 2, nous entendons, nous lisons effectivement que ceux qui ont entendu effectivement ce jour-là ont vu effectivement la puissance de Dieu. Acte 2, verset 40, je compte effectivement. Acte 2, verset 40, il dit, et par plusieurs, donc, autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et puis, verset 41, il dit, verset 41, ceux qui reçurent sa parole, mon cœur, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ce sont donc bien les apôtres qui nous ont apporté, effectivement, la parole de la vérité. Et qu'ils ont enseigné comme Christ lui-même a enseigné. Donc, ils avaient le baptême véritable comme le Seigneur leur avait dit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des titres. Des titres, effectivement, qui appartiennent à un seul Dieu. Amen. Et ça, Éphésiens nous le dit, effectivement, on peut le lire rapidement là-dessus. Éphésiens, je pense, chapitre 4, il nous dit cela. Éphésiens 4. Éphésiens au chapitre 4, c'est cela, oui. Voilà. Il nous dit ici une chose. Alors, il dit, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Il y a donc un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, amen. Une seule foi, amen. Et puis un seul baptême. Maintenant, il nous montre, maintenant, verset 6, il dit, mais il y a aussi un seul Dieu, et qu'il est Père de tous. Amen. Donc, un seul Dieu qui est le Père de tous. Il n'y a pas deux dieux, il n'y en a pas trois dieux. Comme on dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est tout à fait contraire aux Saintes Écritures. Et Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Amen. Même dans votre Bible ici, vous ne pouvez pas avoir les Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et Dieu le Fils, Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, comme dit, un seul Dieu est Père de tous. C'est ça le titre qu'il porte.
ce seul Dieu. Et puis il dit, Père et tous, effectivement, qui est au-dessus de tous. Puisqu'il est Père, il est Dieu, il est au-dessus de tous. Et ce Dieu-là, le seul-là, il est parmi tous. C'est là qu'il s'est fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 4, et la parole a été faite chair. Donc effectivement, ce Dieu-là est venu parmi nous pour effectivement pour être vraiment un Père rédempteur. Donc le même Dieu est devenu aussi, s'est fait aussi homme. Et le verset suivant dit, parmi nous, partout, ce Dieu est parmi tous, et puis il dit, et en tous. En tous, c'est dit que par le Saint-Esprit. Il vient donc habiter dans l'homme. Donc, ce sont donc les trois manifestations, trois fonctions de ces dieux. Donc, le seul et l'unique Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il a un nom. Alléluia. Amen. Des pères, il y en a beaucoup dans le monde. Mais ton Père n'est pas le Père de tout le monde. C'est qu'il a un nom particulier, n'est-ce pas vrai? Donc, effectivement, Père est un titre, Mère aussi, titre, effectivement, comme Fils, effectivement. Mais il y a un nom. Un nom. C'est pourquoi il s'agissait de ce nom-là, baptisé. Il n'a pas dit baptisé dans les titres. C'est pour ça qu'il faut bien lire les Saintes Écritures, parce que les gens, ils peuvent même essayer de pouvoir changer les choses. Mais la Bible n'a pas dit baptisé. Vous voyez Matthieu, chapitre 28, regardez bien, il n'a pas dit baptisé dans les titres. Non. Il dit ceci, parce que, à moins que vous ne compreniez pas bien, mais c'est quand même assez clair. Chapitre Matthieu 28, il dit ici, verset 18, il dit. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir maintenant dans les cieux et sur la terre, allez, faites de toutes les nations disciples, les baptisant dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Non, dit le baptisant au nom, il s'agit bien d'un nom. Et c'est vrai quand même, si nous regardons tout de même, parce que c'est quand même mis en français aussi quand même, si c'était quand même trois dieux, Dieu le Père, le Fils Saint-Esprit, ou trois noms, on aurait pu quand même voir le pluriel au nom quand même, le au nom, mais si bien au nom singulier, ça veut dire qu'un seul nom auquel se rapportent les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Donc et c'est cela, c'est que Pierre, lui, a eu, même si on peut dire, mais messieurs, vous le racontez des âneries, il n'y a pas de problème, mais Pierre, lui, qui était avec le Seigneur ces jours-là, quand il a dit ça, Pierre était là aussi. Moi, je n'étais pas là. Mais Pierre, dans Matthieu, j'étais 28 ici, moi, je n'étais pas là. Mais Pierre, bien sûr, il était là. Les autres apôtres aussi étaient là aussi. Ils ont bien entendu quand le maître parlait. Alors, le jour de Pentecôte, effectivement, Pierre a dit effectivement ce que le maître avait dit. Amen. Il faut baptiser au nom. Et il a dit, il a invoqué le nom qu'il fallait. Amen. Donc, tous ces chrétiens, ces croyants, effectivement, qui ont cru à la parole de Dieu à partir des apôtres, ils avaient reçu la pure parole. Amen. Et ils se sont accrochés. La preuve, c'est que cette parole est tellement si pure que quand on la croyait, elle vous transformait. Amen. Et ne faisait pas de vous membres des églises, non. Faites-vous effectivement membres du corps de Christ. Amen. Vous, quand tu vois ton frère, tu dis, mais mon sauveur, mais c'est mon frère. Maintenant, les langues de cœur changent. C'est comme cela que la Bible nous fait savoir que tous ceux qui reçurent des bons cœurs, sa parole. Ils furent donc baptisés. Et alors leur cœur, effectivement, fut aussi changé. Et ils persévéraient dans la prière, effectivement, dans l'enseignement des apôtres, effectivement. Et ils partaient. Ils mettaient tout en commun. Hier, je ne voulais pas le faire avec mon voisin. Parce que c'était un voisin, un inconnu. Mais cet homme a cru la même parole que moi. Et moi, quand j'ai cru aussi, nous avons senti le changement, effectivement. Ce n'était plus, devenu un voisin lointain, c'était mon frère. Amen. Avec qui, quand je sors, j'ai de l'huile. Et lui n'a pas de l'huile, je vais donner de l'huile. Et j'ai du sel, il n'a pas de sel, il vient chercher chez moi. Donc je lui donne, puis il rentre chez moi, il se sent chez lui. Amen. Amen. Mais c'est vrai, non? Amen. C'est ce que la parole et les apôtres, effectivement, ont apporté, a eu comme effet, parce que c'était la parole, la vérité. C'était ce que la parole originale, ce que le Seigneur lui-même leur avait enseigné. Et avec la parole, avec l'esprit du Seigneur, ils avaient la chose originale. Parce que vous pouvez avoir la couverture sans avoir les écrits. Vous pouvez avoir la parole, parce que la Bible dit, mais la lettre est tue, l'esprit vivifie. L'original, c'est la parole avec la vie. Amen. Parce que la Bible dit, mais en elle était la vie. Amen. Depuis le commencement, il y avait la vie. Et quand les hommes enlevaient la vie, c'était la lettre simplement. Amen. Alors nous voulons avoir l'original. Amen. La parole avec les germes de vie. Amen. Donc c'est pour ça qu'il leur fallait le baptême du Saint-Esprit. Amen. Même s'il avait été enseigné, il ne pas les prêcher sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Sinon vous allez donner un pensée à eux. Mais le Saint-Esprit, quand il est saisi, mon frère, il le contrôle. Amen. Quand Pierre fait dire ça, il dit, ah non, 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 non.
Le maître n'a pas dit ça. Alors Pierre s'est dit, Pierre parle, il ne s'en rend pas compte, mais ce n'était pas lui qui parlait. C'était donc le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Amen. Ah oui, mon frère, parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Il a dit, sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc il a une responsabilité, c'est de veiller sur quoi? Sur la parole. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas au là, mais je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et c'est cela que... Alors, lorsque ces hommes et femmes, effectivement, comme dans le temps, vous pouvez le voir, je disais hier à ma bien-aimée soeur Pascaline, j'ai dit, regardez bien, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est extraordinaire. Vous pouvez vous rendre compte que cet eunuque éthiopien a quitté l'Éthiopie, l'intendant, ministre, effectivement, qui avait une grande responsabilité. Il est venu à Jérusalem pour adorer, et il repartait avec toutes ces doctrines traditionnelles, effectivement, dans la tête. Mais il avait quelque chose de particulier, ce que il s'est plongé dans les Saintes Écritures. Il a eu les désirs, et pendant qu'il lisait, il voulait que Dieu l'aide à comprendre les choses. Peu importe les lieux où vous vous trouvez, quand votre cœur est sincère, en voulant connaître vraiment la pensée de Dieu au sujet de sa parole, frère et soeur, c'est Dieu dont la Bible parle, il remplit les cieux et la terre. Amen. Si on dit il est près de toi, c'est sûr et certain qu'il n'est pas loin. Amen. En fait, je veux que vous compreniez la différence entre Dieu et Satan. Satan ne peut pas être partout. Non, monsieur. Parce que, un, il n'est pas Dieu. Amen. Donc, il peut. C'est un ange, mon frère. Un ange déchu, effectivement. Et pour il va pouvoir arriver à faire ses fins, effectivement, il a des démons avec lui. Qui milite par là, il envoie par-ci, par-ci, par-là. Oui, c'est vrai. Mais Dieu, Dieu, il est Dieu, il remplit les cieux de la terre. Amen. Quand Salomon a prié, mais Seigneur, quelle maison pourrait-il bâtir? Parce que les cieux, ce que vous voyez, c'est une partie, mais il y a les cieux de cieux. Amen. Il dit, mais les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Amen. Parce que Dieu contient tout. Amen. C'est pourquoi rien ne peut lui échapper. Alléluia. La Bible dit que même, vous savez, le souffle que vous respirez, effectivement, mais c'est la langue de l'Éternel. Amen. Qui entre en toi, qui vérifie, parce que Dieu est partout. Donc. Et même dans la nature, en fait, tu vois Dieu. Amen. Il est omniscient, Amen. C'est-à-dire qu'il connaît tout, Amen. Omniprésent. Amen. Il peut être partout à la fois. Amen. Et il sait très bien ce que tu penses. Amen. Ah oui, parfaitement. Étant assis où vous trouvez là, mon frère et ma soeur, Amen. Vos pensées à vous. Dieu les voit. Amen. Et vos pensées parlent encore plus fort, certainement. Amen. Parce que ce que vous pensez, Dieu le sait. Et ce matin, c'est même pas par hasard que ma soeur, tu sois assise là, mon frère ici, effectivement. Vous l'avez choisi, mais c'est Dieu qui a voulu cela. Amen. Donc, il savait que quand vous entreriez, vous vous asseriez à cet endroit-là. Amen. Et que ce jour ici, il savait que vous seriez là et qu'il vous parlerait. Amen. Ça, avant même que ta mère connaisse ton père. Amen. Amen. Et le grandeur, n'est-ce pas? Amen. Avant même que ta maman existe, d'ailleurs. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, là où nous sommes assis Alléluia. Ici, et moi ici, Dieu l'avait déjà vu. Amen. Parce que s'il n'était pas capable ainsi, ce n'est pas Dieu. Amen. Satan aurait conquis tout. Alléluia. Mais c'est parce qu'il est Dieu qui savait que Satan allait faire ça. Amen. Alors il avait pourvu ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons entendu hier, parce que quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, croyez-le. Amen. Amen. Sûr et certain. Amen. Parce que ce que toi tu vas être demain que tu ne sais pas, Dieu le sait. Amen. C'est que la méchanceté de l'homme qui veut faire du mal à toi, que toi tu ne sais pas, avant que la pensée lui vienne, Dieu le sait. Amen. Et Dieu sait que ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Et toi tu viens faire ça. Quand tu vas monter dans un bus où on sait effectivement, il sait que ce bus-là, il va t'avoir un grand accident. Ah, tu ne sais pas toi. Il y a quelque chose qui t'empêche. Tu es à la maison. Tu as pris ton sang, tu es parti, mais tu dis, il faut tourner là. Pourquoi tu tournes en rond? Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi je tourne en rond, effectivement? Tu tournes en rond parce qu'il te retarde. Amen. 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 C'est vrai. Quand vous aimez Dieu, Amen. Vous savez, Dieu vous fait faire des choses que l'humeur, elle dit, mais c'est pas possible. Amen. Mais c'est tellement, c'est vrai. Amen. Hey, je vous donne juste un exemple. Cet homme était un prophète de Dieu. Vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu lui dit, madame, je ne veux pas que tu ailles.
Pourquoi en fait Balaam venait vers Dieu? Balaam insistait vers Dieu parce qu'il voulait que Dieu maudisse Israël. Ben oui. Balak est venu vers Balaam. Il lui a proposé de l'argent. Il dit, je ferai de toi un monsieur, je te donnerai des trésors, ainsi de suite, effectivement. Et il faut que tu ailles maudire le peuple d'Israël. Et Balaam va vers Dieu et dit, voilà, Seigneur, Balaam vient me dire et me demande de pouvoir aller. Dieu lui dit, mais non, je ne veux pas que tu ailles. Il faut que tu restes. Parce que ce peuple-là, c'est mon peuple. Amen. Vous savez que quand vous êtes de Dieu, les gens qui vous font des misères qu'on vit dans les bureaux, dans les... C'est pour ça, supporter seulement. Amen. 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 Cette personne-là qui te crée des problèmes. Amen. Et quand il te voit, toi, devenir, toi, tu vas... Il te méprise, effectivement. Il te fait souffrir au travail. Il te fait souffrir même dans les bâtiments que vous vivez, même dans les lieux. Vous êtes toujours méprisé à cause de ce que vous êtes pour Dieu. Amen. Cet homme-là, ou cette femme-là, payera en fait. Amen. 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 C'est parce que les gens sur la terre ne savent pas ce que vous valez. Amen. C'est lui qui vous touche. Mon frère et ma soeur, il ne va pas rester impuni. Il sera puni. Vous vous souvenez, je ne vais pas le punir, mais vous vous souvenez, je vais venir vite, effectivement. Vous vous souvenez, frère et soeur. Alléluia. Lorsque Dieu... Et là, Samuel, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, dis à Saül, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël à sa sortie de l'Égypte. Or là, Israël était déjà dans son territoire. C'était au moment, quel moment, quand il sortait de l'Égypte, effectivement, il cherchait son chemin pour aller. Et les Amalécites ont fermé la route. Amen. Il ne voulait pas qu'Israël passe par là. Le Seigneur a dit, non, il n'y a pas de problème. Détournez-vous seulement sur le chemin. Moïse a dit, mais laissez-nous passer même l'herbe, on payera. Si le vache marche votre, nous allons payer. Il va votre, nous payerons. Il dit, non, on n'allait pas passer par ici. Et puis, bon, ils avaient la puissance de pouvoir les battre. Il dit, non, ben, alors nous allons détourner. Ils ont détourné le chemin, ainsi ils sont partis. Les années sont passées. Les Amalécites ont dit, oh, voilà, nous avons fait une somme fort. Et puis, de toute façon, il est passé ce peuple. Il ne faut plus rien du tout. Vous savez, non? Des années plus tard, alléluia. Dieu dit, je me souviens, alléluia, gloire à ton nom, amen, de ce que Amalek fit à Israël. Amen. Quand? Hier, avant de dire, lorsqu'il sortit de l'Égypte, il y a plus de 40 ans de cela. Mais Dieu se souvient. Amen. Il dit, maintenant va. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, vous pas interdit. Femmes, enfants, même les petits bébés au sein. Anne, brebis et tout. À cause de ce qu'il a fait. Amen. À Israël. C'est pourquoi, frères et sœurs, plus vous aimez Dieu. Alléluia. C'est vrai, le monde ne va pas vous aimer. Amen. Mais soyez aimés de Dieu. Amen. C'est plus important que le monde, mon frère. Parce que dans ce monde, effectivement, il n'y a rien de bon. Amen. Les hommes vous mépriseront, effectivement, mais s'ils vous touchent, vous, Amen, vous savez, ça va vous faire trifler, pleurer, mais vos larmes, là, Dieu le compte. Amen. Un jour viendra. Parce qu'il y a un jour de la colère. Il s'amasse tous un trésor de la colère. Amen. Donc Dieu veille bien sur vous. Amen. Il a dit, hein, ne touchez pas à mes rois. Alléluia. Oh oui, frère. C'est vrai, dans la rue, quand on voit l'Europe, ils sont toujours là. Dieu, ils vous méprisent parce que nous sommes. Ne vous inquiétez pas. Amen. Ne vous inquiétez pas. Le temps viendra. Alléluia. Où le Dieu que vous avez eu à pouvoir accepter vous vengera aussi. Amen. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance. Alléluia. À moi la rétribution. Amen. Vous aimez ceux qui vous haïssent. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Priez pour Amen. Eux. Amen. Mais ce n'est pas votre affaire la vengeance. Amen. La vengeance est l'affaire de votre Amen. Amen. Et sachez aussi que dans ce bas monde, malgré les mépris, les épreuves, l'année passée, effectivement, quand vous l'aimez de tout votre cœur, il ne vous manquera jamais de rien. Non. Amen. Amen. Quand bien même vous allez travailler, c'est un travail. Et que vous avez mis les CV là, on regarde votre nom, Matoukabougou. Ya, Matoukabougou. Quand on voit
Van de Kerkhove. Oh, Van de Kerkhove. Vous savez ce que ça veut dire, Van de Kerkhove? Des cimetières. Ah, vous savez, quand les gens disent, oh, monsieur Van Kerkhove, quel beau nom, monsieur Van Kerkhove. Mais ça veut dire monsieur du cimetière. C'est vrai. C'est pour ça, quand vous choisissez les prénoms de vos enfants, faites attention. Parce que les noms ont toujours aussi une influence, et c'est vrai, sur l'enfant. Il ne faut pas donner des noms qui, sont, qui signifient du tombe, des tombes, je ne sais pas moi, des cimetières, rien. Quand c'est du cimetière, vous pouvez changer. Oui. Vous venez de la vie. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Enfin, que M. Van Kerkhove ait pitié de moi. J'ai traduisé parce que Van Kerkhove, c'est en France, en néerlandais. Tout le monde entend M. Van Kerkhove, ça sonne bien. Van Kerkhove, oh, je voudrais aussi t'appeler Van Kerkhove. Non, ça veut dire du cimetière. Là, on enterre les gens. C'est vrai, c'est véridique. Non. Nous réalisons que, effectivement, le Seigneur, notre Dieu, même si. Votre CV, vous vous appelez comment? Oh, je m'appelle Matukabouk. Matukabouk. On a regardé, on a ses CV. C'est encore quand vous avez envoyé le CV? Mais j'ai envoyé un CV. Oh, il y a quand? Les 15, on regarde un peu les CV de 15. Votre CV de 15 a été vraiment mis dans le front. Et qu'est-ce qui va se passer? Le cœur brisé. Ne pleure pas. Amen. Retourne dans ta maison, mets-toi à genoux. Et dis, Seigneur, tu as fait la promesse. Amen. Tu as fait la promesse. Amen. Qui est dans ma détresse. Alléluia. Les autres, le monde ne peut rien faire. Mais tu restes, mon seul Seigneur. Amen. Tu es capable. Amen. Quand tu pries comme ça, alléluia. Avec autant de confiance, le même Dieu là fera en sorte que l'autre société qui est là-bas, votre CV va aussi tomber là-bas. Quand quelqu'un va regarder, les yeux changent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, et c'est triste. Hein? Vous savez, j'avais entendu un témoignage comme ça. C'était en France. Eh bien, c'était une dame, quoi, c'était croyante. Mais là, il venait, je ne sais pas si c'est de quel pays en Afrique, je ne sais rien. Mais là-bas, en France. Et alors, dans l'entreprise, elle avait été engagée comme nettoyeuse, parce qu'elle a fait son CV, mais le seul poste qu'on lui a trouvé, c'était de nettoyer les bureaux. Donc, tous les soirs, elle venait dans la journée, faisait les poubelles, elle nettoyait, ainsi. Et il y avait donc une secrétaire là qui travaillait bien, mademoiselle, je ne sais pas moi, Francesco, c'est rien. Vous savez, les noms, son bureau, là. Et puis, elle, la demoiselle, là. Ah, bonjour. Je ne sais pas comment t'appeler. Je ne dirais pas Joséphine, mais je dirais. Alphonsine. Vous savez, non. Parce que Alphonse, bonjour Alphonsine. Bonjour Alphonsine, dire bonjour aussi à Francesco, parce que ah, ça va à la maison. Oui, ça va les enfants. Oui, ils font bien. Alors, il faisait ses poubelles, ramasser tout ça, le métier, effectivement, la poubelle, blablabla. Ah, vous allez bien? Elle dit, oui, mais parti. Un jour, dans l'entreprise, là, le secrétaire Francesco est tombé malade. Donc, il ne pouvait pas arriver à pouvoir travailler. Et le patron avait des commandes des entreprises. Il fallait que le secrétaire puisse y ait quelqu'un pour pouvoir travailler. Et puis, il regarde Francesco, là, il dit, mais Francesco, Alphonsine, pardon. Parce que Francesco n'était plus là. Voilà. Il dit, Alphonsine, est-ce que tu peux m'aider un peu? Je dis, quoi, patron? Mais est-ce que tu ne peux pas m'aider un peu à pouvoir un peu taper une lettre? C'est urgent parce que là, j'ai les personnes ici. Mais tu sais quand même taper la machine, non? Il dit, oui, patron, je sais quand même taper la machine. Il dit, bon, écoute, j'ai une lettre que je dois envoyer en fait à un client qui m'avait appelé. Si, pardon, il parle à côté. Est-ce que tu peux me taper quelque chose comme ça? Parce que c'est urgent, je n'ai pas de secrétaire maintenant. Il vous dit, maintenant là? Il dit, oui. Regardez comment Dieu fait les choses. Amen. Alphonsine prend le fauteuil qui ne peut pas s'asseoir des Francesco parce qu'elle ramasse les déchets à la poubelle. Et sa sœur a dit, ah. Il dit, patron, il dit, oui, assieds-toi au bureau des Francesco là, parce qu'elle ne sait pas venir. Tape-moi le coup. Il rentre dans son bureau là, tu vois, avec des qui, en train de défendre partout, puis paf. Et là, ça m'a dit à Alphonsine, voilà, j'ai. Et puis, Alphonsine, c'est fini? Oui, pardon. C'est fini, il dit à Alphonsine. Oh, c'est extraordinaire.
Il dit, viens, elle donne la lettre. Le patron prend la lettre. Amen. Mais le français. Alléluia. D'Alphonsine. Et puis quand il a lui dit, oh, Alphonsine, viens un peu. C'est toi qui nettoies. Il dit, oui, mais dis-moi. Qui a fait ça? C'est toi, vous dites, je viens le faire, patron. C'est toi. J'ai dit, avec Francesca, je dois corriger les fautes d'autographe. Et dit, mais toi, du début jusqu'à la fin, français, où? D'abord, dis-moi, quelles études que tu as? Doctorat. Pardon! Donne-moi ton CV, donne-moi ton CV. Francesca a la porte et Alphonsine à la place. Commencez au bas échelon. Amen. Et vous plaidez. Dieu vous élèvera. Amen. Autant que vous l'avez. Ce dont vous avez besoin de Dieu. Amen. N'attendez pas la pitié des hommes aujourd'hui. Parce que vous voyez, quand les gens se souviennent en Afrique, vont madame, s'il vous plaît, madame, vous voyez. Oh, madame, toi, tu es un frère en Christ. Amen. Tu les trouves là, madame. S'il vous plaît, madame, je n'arrive même pas à la fin du mois, madame. Et pour même avoir là, pour payer même les. Alors que Dieu te pourvoit pour les besoins. Pourquoi tu dois aller quand même en disant comme si Dieu n'était pas là pour toi. Non, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu vas, tu dis, j'ai besoin de ça, 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 ça. Donc je suis dans le besoin pour ça, pas. Parce que toujours comme on doit toujours m'en dire, quand on voit, quand, surtout quand on voit, on va de loin, on dit, bon, certainement, c'est sûr qu'il vient pour l'aide. Non, madame, je ne viens pas pour l'aide. Hein. Non, je viens vous dire que, bon, ben, j'ai un problème avec le. Oh, ben, c'est pas pour l'aide. Vous dites, non, vous savez, je vais vous donner juste un témoignage. Je vais vous laisser partir plus tard. Je prends mon avion, j'étais invité, je devais partir en fait aux États-Unis pour aller prêcher la parole, c'était en fait à Atlanta. Mais bon, comme je devais partir à Atlanta, je devais d'abord passer. Par le Canada. Je prends mon avion, j'arrive au Canada, effectivement. Et après quelques jours au Canada, donc je prends donc mon avion pour pouvoir aller aux États-Unis. Donc j'arrive d'abord à la frontière américaine, parce que là, vraiment, c'est tout à fait particulier. C'est dans le même grand endroit. Hein. Vous passez la frontière canadienne. Et juste à côté, vous trouvez un comptoir là avec les drapeaux américains. Vous n'êtes pas encore aux États-Unis. Hein. Donc, il vous montre effectivement que chez nous, d'abord, ça commence ici. Alors, je m'avance avec mon passeport. Alors, je donne mon passeport effectivement au douanier. Le douanier ouvre le passeport, il voit d'abord mon document, puis il regarde. Donc, je dis, monsieur, vous êtes belge, non? Moi, je dis, oui, puisque bon. Mon passeport, mais d'abord, je me pose la question d'abord, comment ça se fait que vous avez dans votre passeport un tel visa? Alors j'ai dit, il y a un problème. J'ai dit non, j'ai dit, mais comment vous avez fait pour que, j'ai dit, moi je n'ai rien fait. D'abord, c'est à ce moment-là que ça a commencé. J'ai dit, ben, moi je n'ai absolument rien fait. Alors, il m'a dit, mais, j'ai dit, mais moi, pour venir ici chez vous, d'abord aux États-Unis, je suis allé à l'ambassade. Chez vous, l'ambassade américaine, puis bon, j'ai attendu mon passeport. On m'a demandé, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis, effectivement, il faut se la répéter. D'abord, j'ai dit, mais quelle est votre profession? Ah ben, comme j'avais donc mon entreprise, évidemment, j'ai donné tous les documents quand ils ont vu que j'étais quelqu'un qui avait ses affaires, travaillait, ainsi de suite. Ah ben, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Pourquoi elle avait les yeux ouverts? Ils m'ont donné 10 ans d'office pour aller aux États-Unis. J'ai dit, mais 10 ans. Ainsi, voyez-vous, quand je suis arrivé d'abord à la frontière, oui, quand je voulais passer, donc, quand je suis arrivé au Canada, je rentre, j'arrive. Alors, vous voyez, la frontière canadienne, pour rentrer d'abord dans le territoire canadien, il y a un grand comptoir là, beaucoup des douaniers. Alors ils vous regardent, moi j'arrive avec mon passeport, je donne, et puis tout d'un coup j'ai donné, je passe pour pouvoir partir, parce que je devais sortir. Non, c'est parce que c'était les jours où je devais pour aller prendre mes affaires. Je vois simplement, le monsieur m'a dit, vous, venez ici. Moi j'ai regardé, je viens, puis vous allez là-bas, vous attendez là-bas. Moi j'ai dit, allez, j'ai un petit problème, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme problème. J'ai attendu, et puis on me dit, voilà, c'est votre tour, passez au comptoir. J'ai dit, voilà, je suis là devant vous. Il dit, nous voulons vous demander dans quelle ville vous voulez vous établir pour aller habiter.
J'ai dit, j'ai la tête de quelqu'un qui est réfugié. Non, voyez-vous, il y a déjà, vous savez que quand vous vous approchez, on a déjà une image de vous. Il dit, si le fier, j'ai dit, mais nous sommes là pour vous demander dans quel état vous voulez pour l'immigration, puisque vous êtes venu, donc dans quel état on doit vous envoyer pour pouvoir vous installer. Moi, j'ai dit, moi. Il dit, mais c'est bien vous quand même, non? J'ai dit, oui, mais j'ai dit, monsieur, je vous dis la vérité, j'ai dit, monsieur, je ne suis pas venu dans votre pays pour vous m'installer. Non, je suis venu pour 4 jours. J'ai quitté ici, je... Ah bon, vous n'êtes pas venu pour vous installer chez moi? Dit, non, je ne suis pas quelqu'un qui cherche un endroit pour s'installer. Je suis déjà installé, donc je passe par chez vous pour aller autre part, effectivement. Donc ça veut dire que les gens, quand ils vous voient déjà, il y a une photo. Lui, quand il vient, on voit de l'homme, quand tu passes juste le bureau devant le bureau C13. On dit, ah, il va rentrer. Mais non, je suis en train de faire mon chemin. Je passe simplement mon chemin. Cela ne veut pas dire, alors vous devez, cela ne veut pas dire que quand vous allez chez au CPS et que vous touchez, que c'est mauvais, que, non, c'est un droit qu'on donne à tout citoyen belge, à toute personne, effectivement, avant de pouvoir entrer dans une activité, on peut vous donner. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous sentez pas mal à l'aise comme si, non, c'est quelque chose, c'est un droit social qu'on donne à tout le monde. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être là qui va se tenir devant l'assistante sociale. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai ma cousine. J'ai mon cousin. Tout ça. Chez nous, en Afrique, c'est toujours. Vous connaissez comment les familles. Oui. Madame. Et puis, à l'assemblée. Gloire à Dieu. Vraiment. Vous devez connaître qui vous êtes. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. S'il vous plaît, frère, même si les difficultés viennent, le Seigneur ne vous laissera jamais. Amen. Si dans une maison ou dans un appartement, on vous chasse, glorifiez Dieu. Amen. Parce que Dieu ne veut plus que vous restiez là. Amen. Il a donc un autre endroit qu'il va vous donner. Amen. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu, fils de Dieu. Vous ne serez jamais des sans-abri. Amen. Dieu prendra soin. La différence que le monde et nous, elle est tellement si grande. Nous avons une ferme assurance dans ces dieux en qui nous avons donc placé notre confiance. Donc pour que nous comprenions qu'en fait, Dieu veille sur ceux qu'il aime et il en prend soin. Maintenant, alors voyez-vous que lorsque Pierre a prêché la parole de Dieu, acte 2, effectivement, tous ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, effectivement, ils furent baptisés et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc ces gens, ils ont vu d'abord effectivement que mais cette parole est la parole de la vérité, puisque nous avons Dieu, vu Dieu effectivement en action. Donc pour ça, il faut que vous puissiez aussi vérifier, frères et sœurs, c'est très important. La parole qui est la parole de Dieu, le Seigneur nous montre effectivement dans Marc au chapitre 16, en disant, vous le direz avec vous, Marc au chapitre 16, il dit. Verset 19, il dit. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit donc à la droite des dieux. Vous l'avez lu avec moi? Il s'assit où? Ça veut dire que nous avons donc Dieu qui est assis ici. Si nous regardons comme ça, non? Et puis ça, c'est la droite de Dieu, n'est-ce pas? Donc à sa droite, effectivement, et là, le Seigneur est assis. N'est-ce pas? Nous avons Dieu ici, et puis à sa droite, là, il y a quelqu'un qui est assis. Si nous retournons dans les Saintes Écritures, dans Deutéronome, au chapitre 4, je pense. Et ça, c'est quoi? Je pense Deutéronome, au chapitre 4. Oui, je pense que c'est cela aussi. Bon, nous retourner. C'est chapitre 6, pardon. Deutéronome chapitre 6.
Et nous lisons le verset 4. N'est-ce pas? Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. 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 Nous l'avons lu avec vous dans Éphésiens au chapitre 4, qui nous a dit, nous l'avons lu dans la Bible, il y a un seul Dieu, une seule foi, Amen. Un seul baptême, Amen. Un seul Seigneur. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, l'Éternel est le seul Seigneur pour Israël. C'est vrai, non? Il est le seul Seigneur. Et là, on dit que, et on voit donc les seigneurs, après leur avoir parlé, furent enlevés au ciel, et ils s'assirent à la droite de Dieu. Et comme on peut voir cela, donc, effectivement, on a cette impression que il y a vraiment deux personnes. Normalement, quand vous pouvez réellement lire les Saintes Écritures, vous devez savoir que la Bible est aussi un livre de symboles. C'est métaphorique. En fait. Quand on parle de la droite de la personne, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Amen. Quand je dis que cet homme est ma droite, ça veut dire que cet homme sur qui, effectivement, je fais confiance. Donc cela ne veut pas dire que Dieu était assis là-bas une personne, et sinon c'est une illustration d'une image, effectivement, pour qu'on puisse comprendre effectivement l'autorité et la puissance qu'a le Seigneur Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous continuons. Alors il dit, verset 20, il dit, acte 16, 20, il dit, et il s'en allait prêcher partout, les disciples, le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, le Seigneur, notre Dieu, lorsque il s'agit effectivement de sa propre parole, la Bible nous fait savoir qu'il veille sur sa parole. Si donc c'est sa parole, Dieu veillera sur sa parole, comme il a dit, pour pouvoir l'accomplir et l'exécuter dans tout le moindre détail. Et il démontre que c'est sa parole, parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, écoutez bien, frères et sœurs, parce qu'il faut bien faire très attention à cela. L'accent n'est pas mis d'abord sur les miracles, mais l'accent est d'abord mis sur la parole. Amen. Parce que la parole qui est celle de Dieu, elle est une parole surnaturelle. Amen. Et quand elle est vraiment prêchée, une parole originale, d'abord c'est la parole qui est prêchée. Ensuite, maintenant, viennent les miracles pour confirmer que cette parole est la parole de Dieu. Amen. On voit les gens qui sont effectivement, je fais des miracles, effectivement, David, même avec l'eau de Marie, effectivement, on peut faire. Frères et sœurs, Satan est imitateur. Ne vous laissez jamais séduire par ces choses, effectivement, que nous faisons, effectivement, non. La première des choses qui doit importer un fils de Dieu, c'est le salut de son âme. Le salut ne vient pas par les miracles, mais par la parole. Amen. Je vais d'abord entendre quelle parole tu as, pour que je comprenne que ce que je vois comme et, miracle, effectivement, vient, effectivement, de Dieu. Amen. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que Dieu place d'abord l'importance sur sa parole. Nous allons continuer tout à l'heure. Et puis les autres choses, effectivement, viennent. Parce qu'il dit, vous voyez bien ici, il dit, mais et ils s'en allaient prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il confirmait la parole. Pas qu'il confirmait les miracles, mais la parole. Amen. La parole, effectivement, parle si. C'est pourquoi il faut d'abord entendre ce que l'homme dit. Il va vous dire, oh, j'ai fait les miracles. Ah, avec Marie, ah, on va prier Marie, effectivement, les prier Marie, effectivement, Dieu. Ah, quand vous entendez que quelqu'un qui vous dit, allons prier Marie, éloignez-vous. Amen. 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 C'est sûr et certain. Parce que ce dont nous avons pu voir, effectivement, c'est que
tous ceux qui ont eu à pouvoir croire, ils avaient vu effectivement les fondements véritables et ils se sont accrochés à la chose qu'ils avaient entendue et vu que Dieu confirmait la parole en question. C'est pourquoi aussi, dans les églises, on peut se trouver discours sur discours, on parle des prophéties, patati, patata, 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 où il n'y a rien que Dieu ne fait, alors prenons nos bagages, partons. Eh bien, c'est sûr et certain. Quelle est la parole que vous nous prêchez depuis des années et des années auxquelles on ne voit même pas Dieu arriver à pouvoir faire quelque chose, ce n'est pas normal. Amen. J'ai entendu des prédicateurs qui disaient, oh, Jean-Baptiste était un puissant prophète et Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. J'ai toujours posé la question, j'ai dit, mais quand vous dites ça, vous vous basez sur quoi? J'ai dit, vous vous basez sur quoi? Oui, mais si vous lisez très bien dans les Saintes Écritures, la Bible ne dit pas que Dieu a dit que Jean n'a pas fait de miracles. Les hommes ont dit, mais il a parlé, cet homme dit, Dieu, Jean n'a même pas fait de miracles. Donc ce n'est pas Dieu qui a dit, ce sont les hommes qui ont parlé. Et le plus grand miracle que Jean a fait. Amen. Amen. Ça, même Moïse ne l'a pas fait. Amen. Aucun de prophètes ne l'a fait. C'est le plus grand de tous les miracles, mon frère. C'est pourquoi on disait qu'il est plus qu'un prophète. Amen. De tous les hommes qui ont passé la terre, il n'y a pas eu un comme Jean. C'est vrai, non? Amen. Moïse est passé, et Dieu a dit, non, Moïse à côté des gens, c'est rien. Pourtant, il a parlé au rocher, le rocher a donné l'eau, effectivement, vous connaissez Moïse, non? Amen. Mais Moïse n'a pas fait ce que Jean a fait. Amen. Aucun prophète ne l'a fait, mon frère, mais Jean, oui. Ben oui. C'est Jean qui, jusqu'aujourd'hui, ce témoignage demeure, qui nous a réellement, avec certitude, ça Moïse n'a pas fait, avec certitude, montré avec assurance, voici l'agneau des dieux, qui ôte, écoutez bien, qui ôte le péché du monde. Or, la loi couvrait le péché, mais lui, il ôte. Quand le péché est couvert, il est toujours là. Amen. Quand le péché est ôté, il n'y a plus de racines. Amen. Amen. Donc quand il a pointé du doigt, c'était pour nous montrer que ici, sans l'ombre d'un doute, on pouvait peut-être penser, douter effectivement que c'est un homme. Non, mais là, lui, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Et puis en plus, si comme je dis l'autre fois, je dis, mais bon, on ne peut pas se référer à Jean. Jean avait un ministère particulier qui avait un but. De présenter Christ au monde. Et en plus de cela, regardez très bien. Quand est-ce que Jean est entré en scène? C'était pas pendant la Nouvelle Alliance, mon frère. Non. Il était le pont entre l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Amen. Où il y avait encore les prophètes avec ainsi par l'Éternel. Et maintenant, Dieu, la colonne de feu, s'est partagée. Nous sommes dans le temps où quand Dieu. La parole de Dieu est prêchée. Vraiment, Dieu doit confirmer que c'est ma parole. Amen. Et doit te montrer que ça, c'est ce que moi je dis. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je vais terminer par là. Puis, par là, puis tout le monde, effectivement, des saillies. Et puis, il est très bien. Il dit, mais ça dit qu'ils s'y accrochaient, ils y entendaient. Aussi longtemps qu'ils restaient sur l'enseignement, la parole originelle, leur vie était transformée. C'est-à-dire que leur vie s'identifiait de plus en plus à la parole qu'ils recevaient. Or, la parole, c'était Dieu lui-même. Jésus-Christ est la parole des dieux. C'est pour ça que Paul disait que Christ en vous. C'est-à-dire la parole de Dieu. L'espérance de la paix. Donc tous ces hommes, effectivement, voilà pourquoi ils désiraient tant s'identifier en celui en qui ils ont cru. Le Seigneur en prédit, mais il dit, mais je leur ai fait connaître ton nom. Vous vous souvenez, non? On a entendu ici. Donc effectivement, c'était donc nécessaire. Donc tous ceux-là qui ont été pendant
le temps, la vie des apôtres, effectivement. Et quand tu as suivi aussi Paul, effectivement, il a continué, effectivement, dans le même esprit. Prêchant l'évangile du royaume et baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, cela est vrai aussi. C'est lorsque les apôtres sont donc partis, que les loups sont donc entrés. Et voilà la suite. Alors maintenant, on vit dans Esaïe, effectivement. Rapidement, pour vous laisser partir. Esaïe donc 55, disons. Voilà que le Seigneur dit. Esaïe 55. Le Dieu a eu leur pensée, les balances. Ce ne sont pas mes pensées. Voilà. Disons, merci. Car mes pensées, quand mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant mes cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. Nous, nous devons être des peuples heureux. Hein? Amen. Quand nous entendons un langage comme ça des dieux, avec vraiment des exemples pour nous montrer sa véracité, et puis quand Dieu dit, il dit, mais et sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, celle qui sort de ma bouche. Donc, mais quelle assurance! Donc, c'est dit que si je suis, si c'est vraiment la parole qui sort de la bouche de Dieu, je suis certain d'une chose. Il a dit, Dieu dit, mais comme la pluie et la neige descendent des cieux, je l'ai toujours répété cela quand je lis cette écriture, j'ai dit, mais c'est quand même une vision extraordinaire que Dieu me donne, non? Jamais quelqu'un, depuis que les cieux et la terre existent, n'a pu voir que la pluie, elle descend, et puis elle arrive à ce niveau-ci, et puis elle disparaît, elle retourne, sans descendre sur la terre. C'est impossible. Depuis que nous vivons avec la neige, quand elle descend, et puis ça, les flocons s'arrêtent ici, par exemple, au-dessus, et nous, en dessous, on voit, sur la terre, on voit, c'est ça, la neige, elle descend, puis s'arrête là, elle est dessus, comme ça. Non. Quand elle descend, elle va jusque sur la terre. Il faut qu'elle descende. Donc, quand elle a quitté, elle doit descendre jusque sur la terre. Et puis, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet. Amen. Et puis, il dit, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, alors, c'est là qu'on nous demande même de pouvoir ne fût-ce que devenir un peu sage, intelligent. Tu entends l'auteur, effectivement, de la création qui te dit que la parole qui sort de ma bouche, que moi je dis, elle ne pourra jamais retourner à moi sans avoir accompli mes desseins, ni exécuté ma volonté. Elle ne peut pas retourner à moi sans effet. Elle doit absolument accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Amen. Alors il dit ici, effectivement, il dit, oh, oh, il dit, sans avoir exécuté ma volonté. Il dit, elle ne peut pas retourner à moi sans avoir exécuté ma volonté à moi. Oh oui, mon frère et ma soeur. Et là, si nous regardons très bien cette parole, frères et sœurs, c'est que quand Dieu dit, effectivement, sans avoir exécuté ma volonté, il parle effectivement de sa parole. C'est vrai, non? Maintenant, je vais vous poser une question pour que vous puissiez voir et comprendre. Dans Genèse, au chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1. Vous le savez, non? La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est écrit. Nous lisons avec vous. Hein. Bon, je veux dire que vous n'êtes pas comme ça. Mais bon. Je vais dire c'est un peu ça, puis on va partir. Je ne sais pas ça. Verset 2, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informée, vide, il y avait ténèbres à l'espace de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, maintenant Dieu dit, mais ma parole ne peut pas, celle qui sort de ma bouche, vous suivez? Elle ne peut pas retourner en moi sans avoir exécuté ma volonté. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc si elle sort de ma bouche, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit exécuter ma volonté. Alors ici, on dit, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je sais que chacun de vous, quand vous étiez le frère et soeur, vous connaissez bien cette parole, vous connaissez les endroits, vous connaissez bien. Je veux que vous prêtiez attention. Dieu dit, la Bible dit bien que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, la question est celle-ci. La lumière fut, c'est quoi exactement? Parce que là, la Bible nous fait savoir que Dieu dit, vous suivez avec moi, c'est écrit, non? Que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit. Est-ce que vous avez bien regardé? On n'a pas dit que Dieu a dit que la lumière fut. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. La Bible nous a dit, Dieu a dit que la lumière soit. Et il s'est tu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on voit la suite immédiatement. Il s'est tu. Il n'a pas expliqué. Il a dit simplement que la lumière soit. Et il s'est tu. Et quand il s'est tu, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu? Alléluia. Il a dit et il s'est tu. Qu'est-ce qu'on a vu? Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce qui veut dire que la lumière fut, c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Écoutez d'abord, frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a dit que la lumière soit, cette parole, la lumière soit, c'était la volonté de Dieu. Amen. Donc, la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est sa volonté. Amen. C'est la volonté de Dieu qu'il exprime par la parole. Amen. Quand il a dit que la lumière soit, il voulait, lui, d'abord dans son cœur, en tant que créateur, dans sa pensée, il voulait que la lumière soit. C'était le désir de son cœur, c'était sa volonté. Mais aussi longtemps qu'il ne l'avait pas exprimé, comme nous le savons tous, il y a mon frère et ma soeur, que la parole est une pensée exprimée. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Ya. Alors il nous a dit, la parole qui sort de ma bouche, parce que quand Dieu a créé, et qu'il a dit qu'il y ait des luminaires. Est-ce que vous suivez? C'était ce qui était comme désir de Dieu, que les luminaires soient. S'il ne l'avait pas prononcé, donc il n'y aurait pas eu des luminaires. Donc nous comprenons que la parole de Dieu, c'est vraiment la volonté de Dieu. Est-ce que vraiment vous saisissez? Amen. Est-ce que vraiment vous saisissez? Amen. Que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Mm-hmm.
Parce que quand il a dit que la lumière soit, c'est le désir de Dieu. Mm-hmm. La volonté de Dieu, que la lumière existe. N'est-ce pas vrai? Mm-hmm. Maintenant, il a exprimé sa volonté. Mm-hmm. Quand Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas la parole. Mm-hmm. Est-ce que vous me suivez? Mm-hmm. Maintenant que Dieu parle, il exprime donc quoi? Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mm-hmm. Il exprime sa pensée. Mm-hmm. Aussi longtemps qu'il ne l'a rien dit, on ne sait rien. Mm-hmm. On ne sait même pas ce qu'il veut. Mm-hmm. N'est-ce pas vrai? Mm-hmm. Dis-moi, Joseph, qu'est-ce que tu veux? Josias, qu'est-ce que tu veux? Si Joseph ne dit rien, vous saurez savoir ce qu'il veut? Mm-hmm. Papa, je veux du pain. Mm-hmm. Ah, Josias a parlé dans son cœur. Mm-hmm. Il voulait manger du pain. Mm-hmm. La parole qu'il a exprimée, c'est sa volonté. Amen. Est-ce que maintenant vous avez saisi? Amen. Alors il dit ceci, que la parole qui sort de ma bouche, elle ne peut pas retourner en moi. J'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu. Il dit, elle ne peut pas retourner en moi sans avoir exécuté ma volonté. Parce que quand je l'exprime, c'est ma volonté qui sort. Donc, elle ne peut pas échouer. Amen. Ya, 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 mon frère. Vous voyez, frères et sœurs, certainement c'est vrai. Nous avons besoin de bien saisir les choses de Dieu. Pour que nous sachions respecter les choses de Dieu, le principe de Dieu, la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, comme j'ai toujours dit, nous ne sommes pas attachés à une religion, on ne doit pas l'être. Parce que la religion tue. Mais nous devons connaître Dieu et savoir que nous ne devons pas jouer avec notre âme et notre destination aussi. Pour que vous puissiez voir un peu que c'est important cela, vous vous souvenez de l'enthousiasme de David. Et la fête que David faisait avec le peuple, à cause de quoi? De l'Arche de l'Alliance. Il a ramené effectivement, évidemment, et tout le monde est dans la joie parce qu'on ramenait l'Arche, effectivement, des dieux qui étaient chez les Philistins pour le ramener effectivement dans la patrie. Tout le monde était dans la joie. Et pendant que l'arche est sous les chars de peu avancée, paf, les chars ont basculé et l'arche qui était sous le char a voulu tomber. Uza qui était juste à côté, il a pris sa main pour protéger que l'arche ne tombe pas. Vous savez ce que Dieu a fait d'Uza? Sur le champ, il a tué Uza. Quand vous ne connaissez pas les choses de Dieu, vous avez beaucoup de risques, mon frère. Vous savez, le Dieu dont les hommes disent, il est bon, Dieu, il est bon. Vous oubliez que c'est un feu dévorant. Amen. Il y a un temps, parce que maintenant, nous sommes dans le temps qu'on appelle le temps favorable, le temps de la grâce. Amen. Vous savez pourquoi on appelle ce temps de la grâce? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a le sang sur le trône. Amen. Mais il y a un temps, mon frère, où ce sang va quitter le trône. Alors là, mon frère, il n'y a plus de pardon. Vous pouvez invoquer, vous pouvez crier. La Bible dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y aura un temps où le temps de la grâce va s'arrêter. Frères et sœurs, peut-être que c'est dans 2 jours. Peut-être que c'est dans 3 jours. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Parce que quand la Bible dit que c'est lui qui est saint, c'est sanctifié, effectivement, que Jésus se dans le Seigneur, c'est dit qu'à ce moment-là, il s'est levé du trône. L'Apocalypse, ça. Maintenant, il est là. Il intercède. Dans nos faiblesses, il intercède. Aïe, aïe. Je vous l'ai toujours dit, ne vous familiarisez jamais avec Dieu. Amen. Il est votre Père, mais il est Dieu. Amen. La crainte et le respect, ne dépassez jamais la frontière. Amen.
parce que Dieu demeure Dieu. Amen. Israël ne pouvait jamais imaginer que cette chose allait leur arriver. Vous avez vu comment, à cause du fait simplement, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Crucifiez-le, crucifiez-le. Et puis ils ont ajouté, que son sang retombe sur nous. Ils sont qui encore? Sur nos enfants. Hitler était là. Il les a bien, bien brûlés dans le fou crématoire. Il a bien coupé. Les forces, vous savez comment Hitler faisait avec ses sbires. Les longs cheveux de juifs, là, il coupait bien, bien là. Il rembourrait bien ses oreillers, là, effectivement. Il était là, dedans, dans ses oreillers. On les a bien coupés, les cheveux. On les a bien sciés, coupés. Les dents, là, on les a bien arrachés. Hein. Ce qu'on a fait à ce peuple, mon frère, même un animal n'a pas fait ça comme ça. Simplement parce qu'ils n'ont pas prêté attention. On dit, que son sang, on pensait à la légère qu'on disait cela. Que son sang tombe sur nous, d'ailleurs, pour papa, sur nous, sur nos frères. Fais attention avec Dieu. Amen. Amen. Il y a un temps où t'offre la grâce. Amen. Regardez comment vous recevez cette grâce. Quelle proportion vous la mettez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui vous touche, lui, il ne sait pas à quoi il est tenté. Il peut dire, je suis le président, je suis le roi. Non, mon frère, même toi, ma soeur, le petit n'est rien du tout. S'il te touche, toi, qu'il soit roi, il va payer. Amen. Il payera. Amen. Parce que c'est la parole. Amen. Et ne pourra jamais retourner à lui. Élisa a placé sa main. Dans l'enthousiasme, effectivement, il dit, mais tout comme nous sommes là, ben, nous sommes, ah oui, servir les frères et sœurs. Ne vous familiarisez pas avec Dieu. Il faut que la crainte reste. Respect, crainte dans les choses de Dieu. Nous devons savoir jusqu'où nous allons. Ça dépasse. Il vous observe, effectivement. Oui, parce que quand il chantait, que il pensait que Dieu était tout content. Non, Dieu, regardez. Il s'agit de ma parole. Lorsqu'elle est sortie, elle a exprimé ma volonté à moi. J'avais dit, moi, l'Éternel, à Moïse. Moïse, voilà comment tu feras l'arche d'alliance. Il l'a fait. J'ai dit, personne d'autre ne peut le porter. N'importe les circonstances. Aucun autre des tribus ne peut prêter. Si ce n'est simplement la tribu de Lévi, les Lévites ont été consacrés à cela. Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle manière, ce sont les pauvres des Lévites. C'est pourquoi j'avais demandé qu'il y ait des barres pour qu'on ne la touche pas. Mais qu'avec les barres, on les lève sous les épaules et on avance avec. Donc il faut bien écouter. Il est avec nous, Dieu. Non, 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 mon frère. Dieu est avec sa parole. Amen. Alléluia. Si tu respectes Dieu, tu respecteras sa parole. Amen. Parce que Dieu et la parole sont un. Amen. Donc je l'aime, je l'écoute, effectivement. Je veux observer ce qu'il me dit. Parce qu'il est vraiment terrible. Il peut sourire avec moi, mais quelques temps après, change. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Amen. Les choses de Dieu doivent être prises au sérieux. Et surtout aussi avoir cette grâce quand Dieu t'ouvre les yeux, te montre effectivement, oh oui, il vous ramène. Il dit, je vais m'arrêter plus tard, mais on n'est même pas allé plus loin, frère et soeur. Si Dieu permet, on continuera peut-être demain. Demain, c'est quel jour? Je ne sais plus très bien. Oh oui, peut-être demain. Pour que ceux qui sont venus pour la première fois ne puissent pas trouver ce nom, je vais m'arrêter. Mais regardez, moi, je vais montrer quelque chose. Demain. Et c'est quand même extraordinaire de voir cela. Quand le Seigneur Jésus est allé dans la maison des Marthe et de Marie, donc les sœurs de Lazare, ils avaient autant d'amour, d'empressement à son endroit. Amen. Marthe s'est mise à pouvoir préparer, faire ceci et cela, et s'est débattue là pour que les choses soient. Et Marie était assise donc là, à ses pieds. Et c'est réjouissant. J'ai toujours dit, quelle grâce cette famille avait. Amen. Oui, c'est vrai, frère. C'est une grâce qu'ils avaient reçue, hein, d'avoir le Seigneur avec eux. Amen. Dans leur maison. Là, si.
Et puis Marie, quelle révélation, s'asseyant à ses pieds et les regardant, qui n'aimerait pas voir le Seigneur? Tout à chacun de nous, nous le croyons, on aimerait bien vivre un moment comme ça où nous pouvons le voir aussi là. Ah oui, et ils ont fait ce qu'ils devaient faire effectivement pour le Seigneur, et puis il est parti, et voilà. Leur frère Lazare est tombé malade, et voilà qu'ils ont envoyé des gens auprès d'eux, du maître qu'ils connaissaient, qu'ils avaient et qu'ils aimaient, pour qu'ils puissent venir, hein, pour arriver à pouvoir prier pour Lazare, afin que Lazare puisse être guéri. Il n'est pas venu. Quand est-ce qu'il est venu? C'est quand Lazare était déjà mort, enterré, pourri, décomposé, il sentait déjà mauvais. Donc tout ce que... Tout ça, tout était complètement pourri. Ça sentait pas bon. Et voilà que c'est à ce moment-là qu'il vient. Et quand il est venu, Dieu déjà, il y a pouvoir l'apporter ici. Quand il est venu, il revenait pour la ville où on s'est trouvé, Lazare, où il y a eu en fait la maladie et puis le deuil, effectivement, ainsi de suite. Marthe est la sœur de Marie, lorsque elle a entendu qu'effectivement que les rabbis, donc le maître revenait. Dans le chagrin de tout être humain, ce que nous sommes, par exemple, quand vous avez placé votre confiance dans quelqu'un et que vous l'avez fait prier un message pour qu'il vienne pendant que vous avez quelqu'un que vous aimez tant, et que vous voulez que, vous savez, cette personne, s'il venait vraiment Dieu, elle a fait quelque chose, et la personne, effectivement, sur qui vous avez pleine confiance, il ne vient pas. Et vous avez perdu votre être cher. Je crois que vous allez avoir une dent contre la personne. C'est la vérité, c'est l'humain. C'est quelque chose, je dis, je t'ai dit, tu devais être là, mais vraiment, tu n'es pas venu, c'est pas normal. Et pourquoi d'ailleurs, moi, je me dérangerais pour toi d'ailleurs? Quand moi je t'ai fait venir, je t'ai demandé de pouvoir venir pour mon frère ici que j'aimais tant, effectivement. Hein. Souvenez-vous, quand nous avons parlé d'Abraham, ne voyez pas d'abord la suite, mais voyez d'abord le moment présent. Donc, regardez que quand elle a entendu que le maître venait, la Bible nous fait savoir que cette femme ici, elle s'est levée, elle a couru. Elle a couru, effectivement, pour aller où? À la rencontre de cet homme qu'on avait invité qui n'est pas venu. Marthe savait faire la différence de choses. Quand elle est arrivée, quand elle a vu le Seigneur, elle a dit une parole que j'ai toujours eu à pouvoir aimer, vous le savez. Il dit, Rabbi, si toi tu étais ici, oh frère, j'aime cette soeur. Oh non, il y a des soeurs qui dans leur vie, quand vous le regardez, vous les aimez tellement parce que l'amour qu'ils ont des dieux, les sacrifices qu'ils font pour Dieu vous font pleurer. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, frère. Frère, ça ne peut pas vous laisser insensible. Quelqu'un qui aime autant Dieu et qui se donne vraiment à Dieu, frère, ce n'est pas possible que vous soyez insensible. Je sais pas. Elle a couru avec autant d'amour dans son cœur. Il dit, mais si tu eusses été ici, si toi tu étais donc présent là, je sais une chose, que mon frère, Lazare, que j'aime et que je pleurais, que j'ai enterré, auquel je veux, je restais dans le deuil en pleurant pendant des jours, Lazare, là, ne serai jamais mort. Parce que toi, présent, non, Lazare aurait vécu. Et c'est pas arrêté là. Elle dit, Amen. Mais maintenant même, vraiment, mon frère et ma soeur,
Vous devez reconnaître ce que Dieu fait pour vous. Amen. 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 C'est extraordinaire, frère. Quand c'est un instrument de Dieu, du récepteur, comme vous pouvez le voir avec Pierre. Ce que Pierre avait, c'est ce que le Seigneur a prié en disant, je leur ai donné ta parole. La parole que toi, tu m'avais donnée. Parce qu'il est devenu souvent de serviteur. Hein? Cette parole-là, je leur ai donnée, ils l'ont reçue. Aussi vrai que comme les Saintes Écritures nous le font savoir que quand le Seigneur Jésus est entré dans les eaux du baptême, on a dit, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe descendit et la voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de pouvoir demeurer en lui. Pourquoi en fait? Parce que Jésus-Christ était vraiment la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Dieu ne peut pas aimer quelque chose d'autre si ce n'est que sa propre parole. Amen. Dieu n'aime que ce qu'il est, c'est-à-dire sa parole. C'est comme toi, alors. Tu n'aimes que ce que tu es. Si nous ne connaissions pas Dieu, ce serait le combat le plus beau, la plus belle. Vrai, non? Vous verrez les femmes là, moi je vais être la plus belle des tout. Quand on me verra parmi les autres fines filles, il faut qu'on voit que je sois distingué. C'est comme ça, non? Puis les garçons, la même chose, hein? Je dois être le plus beau jeune homme, effectivement. Il faut que quand je passe, on voit quand même que c'est moi. C'est vrai quand même. Amen. Ça, c'est quand nous étions. Maintenant, je pose la question. Et maintenant. Quand nous étions, c'était comme ça. Et maintenant, c'est comment? Vous voyez, quand si ce sédiment reste encore, c'est qu'il y a un problème. Amen. Que tu veuilles toujours que quand tu viens là, que les regards ne soient que sur toi. En tant que jeune fille, je dois être la seule. En fait, vous savez, la Bible dit que la beauté est vaine. Amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. La beauté en soi, il est vraiment vain. Amen. Parce que quelques temps après, vous allez faner. C'est vrai, parce que quand on a les yeux tout rivés vers ah, qu'elle est belle, qu'elle est, il n'y a pas de problème. Mais cette beauté que tu vois, lorsqu'elle va avancer, et puis elle va commencer à pouvoir faner, et puis les dents commencer à tomber. Mets-toi un peu là, quand même. Avant, tu dis, oh, si je pouvais mettre mon bras sur son cou. Hein, quand vous la voyez, dit, si mon bras pouvait passer. Mais maintenant, là où c'est toujours comme ça, et puis quand ça devient comme ça, comment vas-tu passer les bras? Moi, tu deviens nerveux. Hein? Levé comme ça. Ça commence à devenir les doigts plus loin. Vraiment. Vous comprenez? Il faut que vous compreniez ces choses, c'est important. Amen. Parce que la Bible dit que la femme qui doit être louée, c'est celle qui a la caractéristique. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir le dire, je le félicite. La beauté véritable d'une sœur, c'est pas tout ce travail qu'on voit ici, qu'on fait avec les modèles, on tourne la tête par là, on tourne la tête par ici, on a la tête par là, on fait même plus très bien voir. On a les tourniquets parce que il faut chercher à voir par où maintenant on veut bien regarder, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Non. Quand la personne a la paix en soi, et qu'au-dedans, elle a trouvé ce qui était nécessaire, c'est-à-dire que la vie de Christ en soi, vous voyez sa nature, c'est tellement doux. Une véritable femme, il faut la regarder dans les yeux. Vous verrez. La beauté, elle s'est transformée. C'est au travers de ses yeux, en fait, la douceur dans ses yeux. Et puis dans sa façon de parler. Une femme qui jacasse tout le temps. Elle va voir, vous allez avoir un sérieux problème.
Mais dit, Dieu m'a donné. Il dit, c'est pas un problème. Vous allez avoir un sérieux problème. C'est comme un âne très sauvage. Vous allez le tenir frappé par là. L'âne va bondir toujours. Ce que Dieu cherche, en fait, ce n'est pas de faire des sœurs qui deviennent des sauvages dans les maisons, mais de faire en fait qu'elles soient des reines. Respectables, effectivement. Parce que l'admiration d'un homme est envers une femme qui a un caractère tellement doux et surtout respectueuse, en fait. Quand une femme est douce, elle respecte son mari, l'homme a le bonheur dans son cœur. Amen. Mais la femme qui chaque fois contredit l'homme, et ceci, moi je... D'ailleurs, vous pouvez le voir, les caractères même dans les jeunes. Les jeunes sœurs que vous voyez ici. Les jeunes sœurs ici, vous voyez. Le caractère de ce qu'elles seront se manifeste déjà maintenant. C'est vrai. Amen. C'est la vérité, non? Je sais que ça ne plaît pas, ce genre de choses, mais c'est vrai. Observez-le. Vous, par exemple, les grandes sœurs, par exemple, il dit, sœur, voilà, fais ceci, fais cela, effectivement. Voyez comment elle réagit. Amen. Oh, mais vous les vieilles. Laissez-nous, quand même. Mais moi, vieille, j'ai porté la jupe avant toi. Moi, vieille, je connais ces chemins que tu as avant toi. Parce que là où tu passes, je sais que quand on arrive à un certain âge, ça commence à gratter partout. Je suis passé par là aussi. Je dis, mais quand ça commence à gratter, mais les barrières. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, je n'ai pas dit aussi que demain, prenez les fruits tout le temps quand vous voyez cette soeur. Paf, viens ici. Parce que nous, les vieilles, on peut être suivis. Non. Il faut un équilibre. Alléluia. Dans toutes choses. C'est-à-dire que. Il faut qu'on soit soumis aux anciens. Et que, en fait, c'est la nature. Quand vous parlez avec. Vous voyez, d'ailleurs, quand vous le faites venir, le respect qu'elle dégage devant vous. Sa façon de pouvoir se tenir et même vous regarder quand vous... Je vous dis, hein, quand vous voyez une personne, une soeur qui vient, je donne un exemple, et vous lui parlez, il a toujours le regard qui vous toise comme ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous dites, avec le regard qui vous toise. Hein. Vous frères, vous savez, je voulais vous dire ça depuis très longtemps, mais je me retenais parce que je suis une soeur. Mais aujourd'hui, mon cœur a débordé, je dois te le dire. Alors tu dis... Et pitié de moi. Amen. Non, il faut que le Seigneur veut que nous puissions avoir cette douceur. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous, en fait. Ce que nous puissions arriver. C'est beau, c'est merveilleux quand vous avez une sœur qui aime tellement Dieu et qui est avec une tendresse qui ne peut pas aimer ça. À vous dire au pasteur, mes frères et sœurs, quand vous voyez dans les scènes d'écriture, quand nous voyons Ruth avec Naomi et tous les autres, effectivement, quelle nature ils ont, n'est-ce pas vrai? Amen. Aujourd'hui, j'ai entendu des petits amen. Sur ce point-là, c'est des petits amen, autrement, on allait sauter ici. C'est vrai, ça ne vous arrange pas, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu veut notre bien, Dieu veut notre bonheur aussi. Hein? Il fait qu'effectivement que nous puissions arriver à pouvoir être aussi un caractère de... Parce qu'en fait, le choix d'un homme vers une femme reflète le caractère de l'homme. Oh, oui. La plupart du temps, quand la femme se met dans certaines sortes de vêtements, regardez un peu l'homme. Alléluia. Bien sûr que oui. Parce que il est là avec la sœur. Vous voyez, la sœur se met dans son dans sa jupe qui est là. Et puis il a tellement eu l'œil à l'extérieur, hein, il a pu regarder. Il dit, mais toi quand même, change quand même la jupe, non? Il dit, mais jupe elle est pas. Mais enfin, mais elle est quand même trop longue. Tu ne trouves pas que c'est un peu long? La sœur a toujours venu avec la jupe. Vous la voyez, la pauvre, elle se dit, mais qu'est-ce que tu veux, Jean-Philippe? Il faut quand même, tout de même, remonter un tout petit peu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est souvent, ça arrive aussi, effectivement, que ce soit l'homme. Parce que, vous savez, quand une femme, je ne sais pas,
quand une femme avance à un certain âge, effectivement, et l'homme commence à pouvoir regarder que l'âge avançant et que ça commence à se amollir, effectivement, qu'est-ce qui se passe? La tête commence à tourner. Aujourd'hui, tout le monde ne veut pas entendre ça, mais vous allez entendre. La tête commence à tourner aussi. Eh bien, vers les étoiles. Les étoiles, c'est qui? Ce sont des jeunes filles. Ah oui, parce qu'à un certain moment, quand les jeunes filles commencent à pouvoir grandir un peu, ça commence à gratter. Qu'est-ce qui gratte, effectivement? C'est les désirs qu'on les remarque. C'est vrai ou pas? Amen. La vérité, non. C'est les désirs qu'on puisse arriver à pouvoir le remarquer. Vous verrez. Vous verrez. Elle est bien petite, elle marche là, effectivement. Demain, tu la vois, elle fait 2 mètres. Comment ça se fait qu'elle a commencé à faire 2 mètres? Parce qu'elle est montée de hauteur. Et en plus, quand elle monte, la maman peut dire, mais non, elle dit, ce n'est pas à ton âge. Non, maman. Alors, il faut voir quand elle va même à la hauteur. Marche maintenant. Ah, ça devient problématique. Oui. Il dit, mais je ne sais même pas quel nom je peux dire. Non. Justine. Mais hier, Justine, elle était là, elle marchait bien. Puis maintenant, Justine, que peut-tu pas? Il dit, mais tu combats avec quoi? Tu regardes en bas, 6 mètres de talon. Justine ne sait plus marcher. Pourquoi? Parce que Justine veut maintenant sentir qu'elle est une femme. Qu'on puisse arriver à pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe, effectivement? Quand maintenant, le monsieur, il est déjà aussi là. Et puis il regarde sa femme qui ne suit plus le rythme de Justine. Il dit, toi quand même. Mets-toi quand même bien aussi, quand même. Pourquoi? Ça vous dérange, mais c'est vrai. C'est vrai, oui. Alors à ce moment-là, ça met, au lieu que les sœurs gardent leur position qu'il faut, et puis maintenant, c'est la voie de pouvoir être comme les autres. Ça, c'est quelque chose que nous devons arriver à pouvoir comprendre, que ce qui est important pour nous, ce n'est pas ce que le monde attend de nous. Regardez ceci, frère. Je vais vous montrer quelque chose qui va un peu vous surprendre. Quand on dit en fait qu'une femme elle est belle, c'est que sur base de quels critères? Je peux vous montrer des photos. Elle est belle, 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 elle est belle. Mais en fait, sur base de quoi vous dites qu'elle est belle? Sur base de quoi? Sur base de quoi vous dites que cette femme elle est belle? Vous savez que dans les Saintes Écritures, la Bible dit que Esther était belle de figure. Donc, quand la Bible dit qu'elle était belle de figure, c'est qu'elle a un caractère. Sur quoi elle se base pour dire qu'elle est belle de figure? Est-ce que vous comprenez? Mais le monde, maintenant, quand il dit qu'elle est belle, sur base de quoi? Mais je vais poser la question. De toutes les sœurs ici que nous avons, quelle est la sœur qui est la plus moche? Je vous pose la question. Quelle est la sœur la plus moche? Ne vous sentez pas mal à l'aise. Frère, il n'y a pas de sœur moche ici. C'est ça que le monde vous trompe, en fait. Vous avez une beauté qui est à vous. Elle est particulière parce que Dieu a fait de vous ce que vous êtes. Et quand quelqu'un vous regarde, il apprécie votre beauté. Alors, dans les journaux, c'est la beauté d'un homme qui dit, moi j'aime ça comme ça. Mais Dieu, en fait, vous a donné à vous ce que vous êtes. Donc, effectivement, cette beauté que vous avez là, effectivement, quand elle commence à l'intérieur, elle resplendit sur le visage, tout le monde, tout le monde verra que, oh là 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 là, cette femme-là, elle est belle. Qu'est-ce qui fait votre beauté? Le caractère. Amen. 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 Parce que tu peux avoir un visage qu'on a coupé ceci, là-bas, on a fait tout ça. Mais quand vous vous approchez de la personne, ça bouge. Quand elle commence à voir vous parler, aïe aïe aïe, toi, pita, mon frère et ma soeur qui t'en faut de la terre. Tu dis, mais si j'avais ça comme femme. Amen. Amen. Tu ne vas plus la beauté, hein? C'est vrai, frère. La langue, quand commence à voir parler, Amen. Mais tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Parce que tu ne vas pas épouser le visage. C'est le caractère de la personne tout à fait à toi. Donc la beauté, ce n'est pas la face qu'on peut peindre comme ça. Non, mon frère. Le caractère de la personne qui fera que tu sois en paix à la maison. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, parce
parce que je sais qui tu es, mais tu n'es pas venu, tu demeures le même Dieu. Le respect, je te dois. La crainte, je te dois. L'obéissance, je te dois. Oui, la soumission, je te le dois. Amen. Parce que tu es Dieu. Amen. Tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Je vous l'ai toujours dit, cette crainte, ce respect-là, cette foi, quand le Seigneur l'a regardé, il dit, ton frère, il va ressusciter. Amen. Ton frère, il va ressusciter. Oh Dieu. Il ne peut pas retourner en moi sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Et accompli mes desseins. Ton frère ressuscitera. C'est la volonté, non? Bien sûr. Ton frère ressuscitera. Cette parole-là que Dieu a exprimée de sa bouche, c'était donc sa volonté. C'était impossible. Alors là, absolument impossible que la tombe puisse réellement retenir Lazare. Parce que Dieu avait exprimé sa volonté. S'il n'avait encore rien dit, la mort avait le pouvoir. Mais il a exprimé sa volonté. Alors là, il dit, la parole qui sort de ma bouche. Amen. Puisqu'elle est sortie, elle ne peut pas retourner. Amen. C'est comme cela qu'il est allé jusqu'à la tombe. Il avait la certitude. Et là, c'est vrai qu'à la tombe, quand il s'est arrivé rapidement, eh bien, puisqu'il était 100% Dieu et 100% homme, le sentiment de l'homme, il s'est souvenu de son ami Lazare, il a pleuré parce que Lazare partit. Et après, la divinité prend place. Amen. Puisque la parole est sortie, Marie qui était à la maison a couru, je termine par là, elle vient dire, elle a trouvé Marthe et sa sœur avec le maître de chemin, elle a dit la même chose. Si tu étais ici. Et pourtant, ce n'était pas convenu. Ah oui, lisez la Bible, frère. Il dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Où l'avez-vous mis? Oh, Seigneur. Elle n'était pas là quand elle avait dit à Marie. Il dit, mais où l'avez-vous mis, Seigneur? Oh, il y a d'autres sommets. Mais ça ne sert à rien. Il sent déjà. Puis j'ai tout dit, mais n'étais-je pas dit? Amen. Et si tu croyais, amen. Croire en quoi? Mais en la parole de Dieu, amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois ce que Dieu a dit, amen. Juste en parole, mon frère, amen. Ma soeur, amen. Ton problème est solutionné. Amen. Amen. Il dit, n'étais-je pas dit? Mais il sent les événements, il s'est pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur, jeune homme, jeune fille. Si tu crois vraiment en ce Jésus le Christ, la mort, tu ne la verras plus. C'est la gloire de Dieu que tu verras. Parce que tu passeras de la mort à la vie. Et l'homme qu'on voit maintenant vivre, ce n'est plus la même personne d'hier. C'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh oui. Il dit, vous savez, il pouvait avoir peur, se disant, oh, jamais chose pareille ne se passer. Quelqu'un pourri, quelqu'un décomposé, qui sent mauvais, jamais entendu, qui soit ramené à la vie. Mais la parole qui est sortie, ton frère ressuscitera. Amen. Au dernier jour, je ne t'ai pas demandé de me faciliter la tâche.
Vous vous souvenez? Amen. Non, je n'ai pas dit au dernier jour. Tu vas t'en dire que ton frère, il ne faut pas interpréter. Amen. Ce que j'ai dit, je n'ai pas cité qui va dire au dernier jour. Tu l'as ajouté toi. Amen. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Tu as dit ça pour me faire dire, oh Seigneur, je comprends parce que tu es bon au dernier jour, après. Non, 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 non. Amen. Alléluia. Il dit, moi, je suis la résurrection. Là, maintenant. Alléluia. Aujourd'hui. Lazare, oh gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle joie. Amen. Aujourd'hui, Lazare, ton frère. Oh. Aimer Jésus, mon frère, Amen. C'est le plus grand trésor. Amen. Le plus grand bonheur. Amen. Ton frère Lazare sortira du tombeau. Chose pareille. N'avait jamais ni entendu depuis les temps des prophètes, depuis les temps, même jamais entendu ça. Qu'un homme soit mort, pourri, décomposé. Aucun prophète n'a fait une chose pareille. C'était des hommes. Mais là, c'était le Dieu de prophète. Amen. Ah oui. Optez. Les gens disaient, mais d'abord quand il a pleuré, il dit, mais oh là là, voyez comment il aimait. Je termine. Et puis il le regardait, il pensait que elle s'est m'a pleuré. Il dit, bon, retournons à la maison consolée. Oui, moi je ferai ça. Moi je ferai ça. Ah, bien sûr, 4 jours pour lui décomposer. Tu dis, oh ma soeur, mon frère, on va. C'est vrai. Retournons à la maison. Mais lui il dit, non, 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 non. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, là, je reste ici. Ôtez la pierre. Amen. Les gens le regardent, il dit, mais oh, qu'est-ce qu'il veut faire? Alléluia. Ah non. Mon frère et ma soeur, si nous pouvions donner du temps à Dieu, ouvrir notre cœur aux choses de Dieu, frères et sœurs, nous ne serons plus jamais pareils. Amen. Non, plus jamais pareils. Notre vie ne pourra plus jamais être pareille. C'est vrai. Nous avons une grâce exceptionnelle, c'est d'avoir ce Jésus. Tout le monde regardait et disait, mais qu'est-ce qu'il va faire? La tristesse, il va être allé apporter les aromates. Non, on dit, ôtez la pierre. Et quand on a ôté la pierre, là, il s'est tenu debout, effectivement, pour démontrer Amen. Que dans les cieux et sur la terre, Amen. Il n'y a pas une autre autorité Alléluia. Que son autorité. Amen. Et que tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, c'est lui qui est l'auteur. Il dit, je crée la vie, je transforme, je fais tout. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, il est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tout subsiste en lui. Amen. Bien sûr. Nous l'avons lu avec vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement crié. C'est quand même extraordinaire, frères et sœurs. J'ai dit que vivre en ces temps-là, voir cet homme de Galilée, moi, je le suivrai tous les jours pour essuyer ses pieds. C'est une grande bénédiction. Une grâce, mon frère. De réaliser l'autorité et la puissance qui réside dans la parole de Dieu. Lazare! Il a crié. En fait, c'est la voix de commandement. Amen. C'est le cri là que vous entendrez. Amen. Ceux qui sont à ton diminué. Au cri, à un cri de commandement. Amen. Oui. Amen. Thessaloniciens. N'est-ce pas vrai? Amen. Ce cri de commandement qui leur donne Lazare! Alléluia. Amen. La parole qui est sortie, il dit, mais Lazare, donc on l'appelle par son nom. Amen. Donc le Seigneur t'appellera par ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît ses brebis par leur nom. Amen. Lazare, pas quelqu'un d'autre, parce que, pourquoi? Parce que dans le tombeau, il y avait encore d'autres personnes. Il dit, pas vous. Alléluia. Alléluia, pas les autres. Amen. Mais ici, c'est Lazare. Amen. Alléluia, dit, Lazare. Sors! Alléluia! Amen! Amen.
mon frère, ma soeur. Parce que lorsqu'il s'est tenu devant le tombeau, parce qu'il y avait d'autres corps qui étaient enterrés, la terre commençait à trembler, puisque les créateurs étaient là. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Le mort bougeait, fait, il dit, mais qui va sortir? Il dit, pas tous, mais il y a un seul. Alléluia! Pour lequel je suis là. Lazare! Toi, Lazare! Sors! Alléluia! La parole a crié le cœur, l'adressant. Tout ce qui a été détruit a été récréé par la parole divine de Dieu. Amen. Le vôtre. Alléluia! Oh, notre maître béni. Gloire à toi. Tu es digne d'être glorifié. Digne d'être adoré. Ce matin, nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur. La crainte et le respect sont part de chacun de nous. Oh, nous sommes réellement conscients de ce matin. Aujourd'hui, Père, puisses-tu avoir pitié de nous, Père, parce que, oh Dieu, nous voulons t'implorer la grâce, avoir la crainte et le respect et la consolation pour les choses qui nous concernent. Il s'agit de ta parole à toi. Nous approchons de toi, Père. Oh Dieu, comme un temps de Père Dieu, des servants, des serviteurs de Père Dieu, auprès de leur maître, mon roi. Oui, tout a libéré, Père. Et nous voulons nous approcher avec crainte et respect, en soumettant à toi ton autorité. Oh, Père, élevez notre tête, et bénis le Père. Nous inclinons devant toi. Aide-nous, Père, à croire en notre Père Dieu. Aide-nous à avoir du respect, Père, à avoir de la crainte, de la foi, d'aménagir, mon Père Dieu. Merci de notre vie. Peu importe, c'est que les morts se montrent, nous avons l'assurance auprès de toi.
Ces jours-là que tu puisses dire, ô sauveur, nous dit qu'on t'y a
béni, mes bons serviteurs, entre dans mon repos. Oh, ton merveilleux, tu n'as pas changé parce que ce sont des paroles qui sont sorties de ta bouche. On s'est maintenant, nous l'avons encore entendu. Et encore des temps de nous mauvais versants. Et nous voulons mettre des cyprions. En ton amour, pardonne-nous comme ton béni. Laisse-nous marcher avec toi. Oh, être toujours auprès de toi, c'est ça notre désir, ton béni. Mettez la paix en contrôle de ce que nous sommes. En contrôle de nos âmes. Aimant que tu puisses continuer à travailler. À nous façonner, à nous tailler réellement. Nos intérieurs, notre Dieu. Nous voulons réellement que nos cœurs réellement puissent les recevoir chaque jour, notre Dieu. Et marcher avec toi, les progrès dans nos progrès. Oui, c'est la marche que nous voulons. La vie de la sainteté que tu fais réellement. C'est ça, c'est que nous voulons. Que ça soit au dedans de nos mauvais versants. Parce que si l'intérieur est propre, mauvais versant, oh, l'extérieur doit refléter cela, notre Dieu. C'est ce que tu fais. Oh, c'est ce que tu désires. Nous voulons réellement que ta volonté à soi, ta parfaite volonté pour se manifester. Oh, détendez-nous, oh, notre Dieu. Nous désirons. Nous abandonnons nos vies en de tes propres mains. Parce que sans toi, même nous sommes rien. Oh, Dieu d'amour. Oh, oui. Même ceux qui sont précédés, ils ont compris cela. Oh, Dieu, si dans leur nom, en passant par les différents. Oh, ce combat qui agit, ils ont dit ta puissance et pour cela, Père, ils avaient la grande donnée dans Jésus. Père, nous aussi aujourd'hui, parce que, oh Dieu, c'est dans ces temps, Père, tu as manifesté ta gloire, en montrant réellement, en manifestant, oh Dieu, oh, en écrivant même ton nom au Père et Père Saint. Oh, aujourd'hui, nous reconnaissons, nous avons ton nom, nous portons ton nom, notre Dieu. Mais quand nous regardons, oh, c'est des temps passés des grands prophètes, nos favoris de ton nom au Père et Père Saint. Mais nous, aujourd'hui, nous avons ton nom, notre Dieu. Combien plus fort nous avons, nous devons avoir la crainte de dans les mots. Parce que nous avons fait nos citronnés, si merveilleux. Oh, Dieu d'amour, accorde-nous la grâce. Accorde-nous ta miséricorde et pitié de nous, notre Dieu. Parce que les saints est encore là, nous prions encore même moi. Afin que tu puisses avoir compassion et miséricorde envers nous. Et accorde ta bonté, mon Père, mes versants. Afin que nous puissions marcher devant ta face à toi. Afin que nous puissions être constamment devant ta face, mon Dieu d'amour. Parce que sans toi, tu es la paix, c'est la joie et le bonheur. Oh, tu nous accompagnes, notre Dieu. Parce que même, tu as dit si nous soutenons, rejetons mon Père et Père Saint. Oh, que toi aussi tu nous réjouiras. C'est pour cela que nous voulons réellement être en toi. Oh, que toi tu puisses être en nous. Comme tu l'as prié, comme tu l'avais dit ce jour-là, mon Père et Père Saint, ce sont tes paroles à toi. Nous les croyons de tout notre cœur. Que Dieu est dans nous et tu vis avec nous, notre Dieu. Et ta vie à toi doit même se manifester. Oh, Dieu d'amour, au travers. Et ce que toi tu as appelé, ce que toi tu as élu, tu n'as pas changé. Je l'ai donné sa parole. Fais encore c'est ta parole à toi, comme tu l'as dit encore. Oh, ce matin, notre Dieu. Parce que même, en citant réellement, oh, tes écritures, ta parole à toi, si nous les croyons, tu les manifestes au nom de Dieu. C'est la volonté que tu fais ici, c'est là. Nous les croyons de tout notre cœur. Maintenant, frère, va nous par la main. Soutiens-nous, oh, sauveur béni, enfin que nous puissions continuer à marcher avec toi. Nous avons réellement besoin de toi, sauveur béni. Toi qui es le secours qui ne manque jamais, oh, que nous vivons vers toi, enfin que tu puisses nous secourir, notre Dieu. Par exemple, la détresse, en ce jour ici, mon bébé percé, en regardant le monde, qui crie, salamande, mon bébé percé, qui ne savent pas où aller, mon bébé percé, mais quel amour qui nous montre tellement les chemins. C'est pour cela que nous prions vers toi. Oh, le monde est dans la détresse, mon bébé percé, parce qu'ils n'ont pas de solution. Mais vers nous, nous prions vers toi, afin que tu puisses encore nous secourir et que nous soyons auprès de toi. Priez pour ici de nous, accorde-nous la grâce et ta miséricorde ce matin. Oui, ta parole est sortie de la porte ici. Oh, non, comme la parole qui est sortie de nous. Mais c'est ta parole à toi, mon bébé personne ce matin. Souviens-toi de nous, pour qu'il avons entendu, mon bébé personne, pour qu'il avons réussi. Afin que tu puisses continuer à travailler. Afin que tu puisses encore préparer nos cœurs, mon bébé personne. Pour quand cette parole tombe encore, que ça puisse trouver de la place et produire réellement des fruits qui sont dignes, mon bébé même. Oh, Dieu d'amour, sois fermé. Sois encore loué.
sois encore glorifié pour tout ce que tu fais. Éternel, merci encore pour toutes choses, mon bien et passant. Laisse encore que cette parole soit encore bénie et glorifiée parce que c'est la nourriture qui nous porte vie. C'est la nourriture qui nous donne la vie pour avancer avec toi dans la marche, mon bien et père. Sois glorifié, sois exalté. Je tiens encore une fois béni ton Saint-Esprit. Oh Dieu, le Seigneur que tu as choisi, afin que tu puisses nous communiquer, afin que tu puisses nous montrer ta grande, ta grandeur et ta miséricorde et ta bonté. Béni le richement fort de béni. Continue toujours pour faire à l'ouvrage, à lui envers le monde, afin que ton peuple soit béni au travers de lui. Oh et Père, à chaque moment, à chaque âge, ou à chaque instant, et prends toujours l'homme afin de communiquer ton peuple à toi, qui n'a pas changé pour Dieu d'amour. C'est pour cela qu'il soit un instrument entre les traits de ta main. Bénis le richement fort de lui encore. Sois encore pour ton éducation. Mon âme de l'eau, mon âme de béni. Mon âme de ta grosse sauvegarde. Oh, laisse-moi démêler tout mon cœur et tout mon âme pour sauver mon dévouement. Accorde-moi cette grâce sauvegarde. Oh, à chaque fois. À nous. Que mes yeux puissent être toujours tournés vers ton sauveur béni. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, sauveur. Tu es si merveilleux, mon Dieu, roi. Tu es si grand et véritable. Merci pour ta parole à toi. Merci pour la révélation encore, bien amour. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, nous l'avons prié. Merci, merci. Merci Seigneur, Merci, Père.
Seigneur, sur cette terre, sans avoir montré le chemin, comment nous devions vivre, notre Dieu. Et après que tu aies montré l'exemple de notre Seigneur, tu es réellement monté, Seigneur, nous préparer une place. Et tu es revenu en chacun de nous, notre Dieu. Tu t'es réellement déversé, Seigneur, dans ton épouse, mon Sauveur, afin que nous puissions vivre, Seigneur, continuer cette vie que toi, tu as réellement commencé sur la terre. Seigneur, tu vas réellement l'achever toi-même, mon Sauveur. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi, notre Dieu. Combien nos cœurs ont été touchés, Seigneur, cet après-midi. Oh mon Dieu, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comparable à toi, Seigneur. Oh, tu nous souffres toujours vers dans ta manière de faire les choses, mon Dieu. Aujourd'hui, d'une manière simple et puissante, mon Sauveur, tu nous as réellement pointé du doigt, mon Père. Oh, c'est pourquoi nous voulons réellement nous revenir à toi, Seigneur. Nous abandonner simplement à toi. Nous ne pouvons pas, Seigneur, mon Dieu, faire des choses par nous-mêmes. C'est toi, Seigneur, qui produis cette vie en nous, Seigneur. C'est pourquoi, ô Père, nous nous abandonnons à toi. Viens réellement nous tenir simplement par ta main, Seigneur, et faire de nous ce que tu veux, notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous réalisons réellement, Seigneur, ô Dieu, combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, parce que toi, réellement, tu fais des grandes choses parmi nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Cette parole, Seigneur, mon Dieu, c'est elle qui nous prépare réellement ton retour, Seigneur. Oh, bientôt, très bientôt, Seigneur, tu reviens pour nous chercher, afin que là où tu es, nous puissions aussi y être, notre Père. C'est pourquoi accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous préparer, ô Dieu, de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Seigneur, Satan veut réellement nous éloigner de toi, notre Dieu. Et toi, tu as formé des projets de bonheur pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous exaltons ton Saint-Nom. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Seigneur, combien, ô Dieu puissant, tu utilises l'homme, mon Sauveur, comme tu le veux. Tu le mènes à gauche et à droite, mon Sauveur. Il touche à des choses, mon Sauveur, mon Père. Oh, Seigneur, c'est pas lui, mon Sauveur. Mais c'est toi qui parles au travers de lui, Seigneur. C'est parce que tu connais réellement ce dont nous avons tous besoin, éternel. Nous venons de différents endroits avec des besoins divers, mon Sauveur. Oh, combien cette parole doit être réellement à propos, mon Sauveur.
Tu nous donnes cette dont nous avons besoin, notre Dieu. Oh, que ton nom soit béni, mon Sauveur. Bénis-le, fortifie-le, Seigneur. Restaure-le, remplis-le encore davantage. Garde-le en bonne santé, Seigneur. Nous prions et nous continuerons à prier pour lui, Seigneur, afin que tu le soutiennes, Seigneur. Oh, bénis tous nos frères qui étaient en connexion, qui ont été aussi nourris par cette parole ignoble, mon Père. Seigneur, accorde la grâce. Bénis-nous, Seigneur, entends nos prières et exauce-nous, car nous te le demandons avec foi, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen.